Thank you.
Chers adhérents, chers membres, nous, les jeunes, nous lançons un appel. Les parents, les administrateurs, les bénéficiaires de ce lieu merveilleux qui est le Moulin Les Rolles. Depuis bientôt 40 ans, des milliers de jeunes, d'animateurs, des familles se retrouvent dans ce lieu emblématique pour vivre des temps de partage, de formation et de vacances. Le Moulin Les Rolles, c'est un hébergement ouvert toute l'année. Il y a 70 lits en intérieur et une capacité démultipliée l'été en extérieur. Le moulin, c'est la nature sur plus de 30 hectares, géré par 3 employés à temps plein. Plus de 15 personnes en contrat ponctuel et plus de bénévoles. Aujourd'hui, le moulin s'agrandit. Nous voulons proposer plus de services. Accueillir des familles qui veulent se retrouver dans la nature. Rendre accessible ce lieu de vie pour les personnes porteuses d'un handicap. Proposer un lieu convivial pour des petits groupes. Alors, pour poursuivre ce rêve, nous avons besoin de vous. Vous ? Vous. Le projet s'appelle le Molinier. En occitan, c'est le nom d'un petit moulin. En mars 2021, un voisin du moulin nous a vendu sa maison. Ce lieu est idéalement placé, mais ne bénéficie d'aucun aménagement. Alors, tout est à faire. Électricité, plomberie, carrelage, isolation. C'est pour cela que nous faisons appel à votre générosité pour transformer ce nouveau bâtiment un lieu agréable, fonctionnel et convivial. Vous pouvez nous aider en apportant une participation financière qui est déductible de vos impôts. Alors, pour toutes ces aventures que nous avons vécues ensemble et toutes ces histoires que nous allons construire, nous vous disons merci. 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 Il y a 7 ans, la jeunesse adventiste et l'association médicale adventiste se sont mobilisés pour venir en aide à l'association Nicodème qui aide au financement de l'école COSA au nord du Cameroun. Grâce à l'investissement des jeunes, des salles de classe ont été construites et plus de 700 jeunes suivent une scolarité normale chaque année. Aujourd'hui, le village de COSA qui se trouve à proximité du Tchad et du Niger est face à deux défis, la pauvreté et le terrorisme. La jeunesse adventiste du sud de la France veut se mobiliser à nouveau pour apporter son aide à ses enfants, Tison et Explo, qui souhaitent aller à l'école. Pour relever ce défi, tu peux, avec ton antenne locale, parrainer un ou plusieurs enfants dans sa scolarité à hauteur de 50 euros par an. Tu peux aussi collecter des pièces dans des bouteilles pour financer des gardes du corps pour protéger les enfants sur le trajet de l'école et à l'école. Tout l'argent récolté sera apporté aux rallyes fédéraux du mois de mai. Notre défi est de lutter contre la terreur et la pauvreté par l'instruction. On compte sur toi. Grace Note, un rendez-vous hebdomadaire proposé par Bill Note et Yves Santi pour la version française. Selon l'immensité de sa grandeur. Si toi aussi, tu veux cultiver un cœur d'adorateur, si en tant que chantre ou conducteur de louanges, tu as envie que ton assemblée loue en esprit et en vérité, alors ce qu'on te concerne. Louez-le avec la lyre et le luth. Jouer de la basse, c'est cool, mais c'est encore mieux si tu veux le mettre au service de Dieu. Toi aussi, tu aimes louer et adorer Dieu en jouant du piano. Prends ton instrument, ta harpe à ses cordes ou ta guitare. Et viens nous rejoindre pour te former, pour échanger, partager et te plonger dans ton ministère qu'est la louange. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Tu es batteur?
percussionniste. Tu t'intéresses à la place et au rôle de la batterie, de la percue dans la liturgie. Et c'est bien, nous allons avoir du temps pour en parler, de vivre au rythme de la louange. Car c'est en lui que nous vivons, que nous nous mouvons et que nous sommes. Souvent dans nos églises, la parole de Dieu est partagée à travers la sono, la technique, sans réfléchir, peut-être trouver des solutions. Niché au cœur des Cévennes, tu y trouveras la beauté de la montagne, la fraîcheur de la rivière, sans oublier l'ambiance chaleureuse du typique mas cévenol. Les belles tablées sous le grand cèdre, les repas partagés, les petits déjeuners. Alors je t'invite à t'inscrire. Ce camp est pour toi. J'ai hâte de te rencontrer. Je te donne rendez-vous au Parpaillou pour une semaine inoubliable. Sois béni. Merci, au revoir. On se voit bientôt. Ciao! Ce rendez-vous n'a pu avoir lieu à regret. Mais cela a aussi permis de réfléchir, de se questionner à la place du camp meeting dans notre vision fédérale Disciples Heureux, une église rayonnante. C'est là une opportunité de prendre un nouveau départ. Depuis toujours, les participants du camp meeting l'apprécient pour le cadre, l'ambiance, les échanges, partagent le ressourcement spirituel. Et nous voudrions faire de cette semaine une occasion de profiter de tout ce qui est offert à travers une semaine de vacances, un temps de ressourcement pour vous et vos amis. Un nouveau départ. Nouveau départ, c'est aussi New Start. New Start qui est un programme de changement de mode de vie scientifiquement étudié reposant sur 8 principes fondamentaux qui nous aident à atteindre une santé optimale. N comme nourriture, E comme exercice, W comme water, O, S comme soleil, T comme tempérance, R, A, repos, R, T, trust, confiance. Nouveau départ. Au programme du prochain camp meeting, des temps pour les enfants et les jeunes, des espaces de formation et de réflexion, nouveau départ, des temps ludiques pour jouer ensemble, un parcours bien-être, des parcours méditatifs, des soirées et bien sûr des temps spirituels accessibles à tous avec notre invité spirituel, le pasteur Luca Marulli. Alors, notez dans vos agendas les dates du 16 au 22 août au Moulin de l'Hérole et invitez vos amis.
Bonjour chers amis, bonjour chers membres des différentes communautés. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons en ce Shabbat pour pouvoir partager ces moments d'enrichissement et de connaissances spirituelles et autres. Alors, bien entendu, comme vous le savez, vous avez la possibilité d'être avec nous virtuellement sur la plateforme et vous pouvez nous transmettre vos questions, vos sujets de prière. Et sans plus tarder, je m'en vais faire une présentation brève de nos différents intervenants de ce matin. Bonjour Myrlène. Bonjour David. Myrlène va pouvoir nous apporter une touche féminine dont nous avons toujours besoin. Bonjour mon cher ami Victor Hugo. Bonjour David. Ça va la semaine, ça a été ? Ça a été super bien. Excellent, excellent. Et juste à côté, nous avons l'une des mémoires de Collonges. Comment vas-tu Jean-Claude ? Bonjour. Bonjour, bon sabbat. Et mes amis, chers internautes, j'ai aussi la joie de vous présenter un invité spécial que nous avons avec nous qui aura cette responsabilité, mais ce privilège, je préférerais dire, de nous rompre le pain. Alors, il s'agit de Sully Payette qui a exercé à Jean-Zurcher à Madagascar et qui est un professeur tout neuf. Ne vous fiez pas à sa toison un peu grisonnante, mais il est tout neuf dans notre faculté pour enseigner le Nouveau ou l'Ancien Testament. Bonjour Sully. Bonjour. Merci pour cette introduction. Nous allons sans plus tarder rentrer dans la leçon d'aujourd'hui qui s'intitule « Une alliance éternelle ». Ce qui m'a interpellé, c'est le fait qu'on parle d'une alliance éternelle. Avec qui on a fait l'alliance, d'après la leçon, si vous vous rappelez ? C'est avec qui que Dieu voulait faire l'alliance ? Avec Abraham. Avec Abraham. Alors, comment ça se fait qu'on parle d'une alliance qui est éternelle ? Parce que Dieu est éternel. D'accord. Ça veut dire que, puisque Dieu est éternel, il veut faire une alliance éternelle avec Abraham. Mais Abraham, il est supposé mourir. Je pense que c'était le début de quelque chose de beaucoup plus loin qu'Abraham. D'accord. Abraham était le début. Tu peux... Et la préfiguration. D'accord. Voilà. Il est le début d'une alliance avec, ou du moins, début de quoi, si on peut être plus clair. Abraham devait être le représentant de Dieu aux yeux de l'humanité. Il devrait être le gardien de la loi de Dieu, celui qui va refléter aussi l'amour de Dieu, la présence de Dieu, la personne de Dieu aux autres. D'accord. Est-ce qu'on peut voir éternel pour nous en tant qu'humains dans un autre sens ? Si on dit alliance éternelle, est-ce que ça concerne que Abraham ? Déjà, lorsqu'il y a eu le déluge, il y avait déjà Noé qui avait déjà reçu une alliance éternelle, mais on ne l'a pas pris en considération. Déjà avec l'arc, c'est déjà une manifestation de cette alliance que Dieu veut donner au monde entier. Et je crois que Abraham a pris le relais de cette alliance, mais un peu plus en détail, plus approfondi. Et dans ce sens-là, devenu éternel parce que ça va être pour tout le monde. Tout le peuple, tout le monde entier en tout cas. Il y aura donc des incidences éternelles, pas simplement au temps de Noé, pas simplement au temps d'Abraham, mais cela va se perpétuer pour chaque être humain. Exact. Et Dieu dit que toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Donc okay, Dieu avait déjà. Tu peux nous rappeler le verset, s'il te plaît ? Alors ça se trouve dans Genèse 12, le verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Ok. Il y a quelque chose aussi d'intéressant dans ces alliances que nous allons voir encore aujourd'hui. D'ailleurs, pourquoi on parle d'alliance ? Pourquoi Dieu n'est pas simplement venu voir Abraham et dit, voilà, tu dois faire ça comme ça ? Ou Dieu aurait peut-être venu supplier Abraham. Est-ce que par hasard, j'aimerais faire quelque chose pour toi ? Est-ce que tu serais intéressé ? On ne voit pas ce langage-là dans le texte biblique. Pourquoi alliance ? Alors,
J'aime bien le début du texte de Genèse 12. Cela me vient tout de suite, hein, chers amis. Et Abraham, peut-être que tu me corrigeras ce lit. Abraham avec la racine, avec une racine de père, Abba. Oui. Et est-ce que cela ne préfigure pas aussi une certaine représentation de l'humanité après ces patriarches que nous avons eus, Adam, Noé et les autres? Ça, c'est une première observation. Et pour qu'il y ait alliance, il faut nécessairement qu'il y ait deux parties. L'une des deux parties peut prendre la disposition, mais c'est Dieu qui prend la décision d'ouvrir l'opportunité de cette alliance. Et cette proposition qu'il fait à Abraham, c'est vrai que nous avons l'impression que c'est un impératif, mais c'est un impératif d'amour. Et c'est très important de revenir sur cela. Il lui propose de faire un voyage géographique, mais qui est en réalité un voyage existentiel. Peut-être que nous verrons par la suite quelques éléments en lien avec cela. Exact. Tu voulais dire quelque chose? Oui, il ne faut pas oublier que l'homme a péché. De ce fait, il y a eu une coupure. Et Dieu voulait rétablir de nouveau cette relation qui avait déjà existé au temps d'Adam et Ève lorsqu'ils étaient encore au Jardin d'Éden. Et justement, déjà avec Adam et Ève, il y avait déjà une alliance. Mais on ne le dit pas. Mais cette alliance, elle était toujours là. Mais du fait qu'il y a cette coupure par le péché, Dieu voulait de nouveau avoir cette relation. Et comme dit tout à l'heure notre frère, c'est que Dieu a pris l'initiative de rétablir de nouveau cette relation, d'où cette fameuse alliance. Okay. Question. Ce que je peux vous faire ressortir, c'est d'abord qu'il faut au moins deux personnes dans une alliance. Et pourquoi deux personnes? Parce qu'il veut une relation. Il ne peut pas avoir simplement une alliance si derrière il n'y a pas une volonté de vivre quelque chose ensemble. Alors pourquoi est-ce que Dieu veut vivre l'alliance dans un sens relationnel d'amour, comme tu l'as bien fait ressortir, David? Je vois quelque chose de encore plus profond derrière. Vous voyez, quand, et tu l'as bien dit aussi, quand l'homme tombe dans le péché, il se rend compte qu'il y a plein de choses qu'il ne veut pas vivre. Si on parle tout simplement de mariage, on peut parler d'infidélité. Mais quand cela est en train d'être vécu, aucun des deux parties n'est satisfait vraiment. Il y a une volonté de sortir de cette infidélité, aussi bien pour celui qui doit subir l'infidélité ou celui ou celle qui fait l'infidélité. Mais Dieu, va beaucoup plus loin. Il ne voit pas simplement l'infidélité, c'est-à-dire l'acte extérieur du péché. Il voit ce qui est au fond de la personne, c'est-à-dire ce désir de se satisfaire soi, de voir le désir de luxure. Et quand Dieu propose l'alliance, il va à ce moment vouloir revivre une relation pour rétablir ce que le péché a détruit. Et on voit combien Dieu est sérieux dans cette histoire-là. Il ne va pas simplement proposer un médicament pour réduire le péché ou résoudre le péché. Il s'investit dans cette histoire. Et je pense que l'alliance pour Dieu, ça veut dire d'abord enlever au plus profond de nous ce qui est mauvais, la notion de péché, la notion de mort. David l'a bien fait ressortir. Et cela ne peut se faire que par quelque chose d'amour. On peut voir aussi dans l'alliance quelque chose de plus important. Dieu n'oblige jamais Abraham d'aller dans ce sens-là. Il lui donne le choix et il lui dit, est-ce que tu veux aller dans ce sens-là? Oui. Oui, par rapport à cette invitation que nous avons dans Genèse 12, verset 1er, quand Dieu dit à Abraham, quitte ton pays. Alors, ce qui est intéressant dans cette alliance, habituellement, quand nous signons une police d'assurance, il y a les actions que doivent réaliser ou ce qui est nécessaire pour chaque partie. Mm-hmm.
Et là, j'ai vraiment l'impression que nous sommes dans le cadre d'une alliance qui n'est pas très juste. Pourquoi ? Puisque la seule chose qui est demandée à la tierce personne, en l'occurrence Abraham, c'est uniquement de sortir de sa zone de confort. Et j'ai même l'impression que quand il dit « quitte ta maison », il lui dit « laisse-toi emporter par ce voyage ». Et par la suite, ce qui résulte de cette alliance, ce sont des bénédictions. Il y a au moins 6 bénédictions. Alors il y a « je t'édiquerai, je ferai de toi un peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom, sois une bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, je réprouverai ceux qui te maudiront. Par toi seront bénis tous les clans de la terre. » C'est extraordinaire de voir qu'on nous propose uniquement un panel d'éléments positifs dans le cadre de ce contrat, de cette alliance, de cette proposition. Oui, oui. Oui, c'est très intéressant ce que tu es en train de dire, parce qu'on va voir qu'il y aura d'autres propositions d'alliance que Dieu va faire, mais à chaque fois, ces éléments de bénédiction vont revenir encore et encore pour rappeler que Dieu s'est engagé et il est prêt à le faire. Il veut aller jusqu'au bout de son engagement. Oui. Il y a une remarque que j'aimerais aussi montrer ici, c'est le fait de dire à Abraham, quitte ton pays. Vous savez, dans l'esprit hébraïque, lorsqu'on dit quelque chose, on le fait et après on réfléchit. Or, dans l'esprit cartésien, je pense, donc je suis. Mais l'esprit hébraïque, c'est dit, je suis, donc je pense. Donc c'est simplement après avoir accompli les faits, c'est après seulement qu'il y a une réflexion. Et c'est que Dieu est en train de dire à son peuple, accomplis d'abord ce que je suis en train de dire et tu vas réfléchir par la suite. C'est une chose qu'on a, nous, en tant que malgaches, on a hérité un petit peu de ça. Lorsque nos parents nous disent quelque chose, on obéit tout de suite, sans demander le reste. Mais après seulement, on réfléchit en disant, bon, pourquoi il m'a dit ça ? Et on voit, heureusement que mon père, ma mère m'a dit ceci, parce que sinon j'aurais fait des bêtises. Alors qu'actuellement, je pense à mes enfants, lorsque je leur dis quelque chose, elles posent toujours la question, pourquoi ? Il faut que j'explique, il faut que je leur dise ce qu'il faut faire et tout cela. Et c'est contraire à notre méthode de pensée. Et je crois que la méthode de ce que Dieu est en train de dire, c'est quelque chose de bien, très pédagogique, mais malheureusement, c'est pas comment ça s'appelle ça là. Ça ne se fait pas ici en Europe en particulier. Ok. Tu voulais dire quelque chose ? Oui, je voulais dire que ça m'a particulièrement touchée, cette action d'engagement de Dieu, parce que non seulement il dit de faire quelque chose, mais il met aussi en place les conditions et il a su permettre qu'Abraham puisse lui faire confiance. Abraham, vraiment, là, il allait dans l'inconnu, il allait sauter dans l'inconnu, mais je crois que Dieu a mis en lui cette confiance et il a fait un grand pas. Abraham a fait un petit pas, mais Dieu a fait un plus grand pas. Et on va voir que par la suite, cette confiance s'est approfondie de plus en plus. Et la relation a été jusqu'à son paroxysme, lorsque Dieu lui a demandé de lui offrir son seul fils, son fils unique. Ok. C'est intéressant de voir ce que tu es en train de dire, parce que quel âge a Abraham quand Dieu l'appelle pour la première fois ? 75 ans. 75 ans. Où est-ce qu'on peut voir ça dans le texte biblique ? Alors, je crois que c'est dans Genèse. Genèse 11. Peut-être le temps qu'on cherche. Abraham n'est plus tout jeune. C'est comme si on demandait à une personne déjà très âgée, dans notre contexte, Genèse à la 12, retraite. Verset 4. Pardon. Pardon ? Genèse 12, verset 4. 12, verset 4. C'est juste après la promesse. Oui. Il est âgé, il est à la retraite, il est supposé jouir de la vie. Et Dieu lui demande presque l'invraisemblable, de recommencer la vie. De recommencer la vie au point où il dit, je vais te donner une descendance. Est-ce qu'il était marié, Abraham ? Oui, avec Sarai. Et Dieu lui dit, je vais te donner une descendance, alors que lui et Sarai n'ont pas d'enfants.
à cet âge-là, quitter tout, recommencer tout, avoir une descendance, c'est presque non seulement invraisemblable, mais c'est presque fou de demander à quelqu'un de vivre ça. Et je comprends pourquoi Dieu lui dit une seule chose, quitte ton pays. Parce que ce qu'il demande à Abraham, ça peut être simple, mais en même temps, ça peut être difficile à vivre. Ça implique aussi pour lui de quitter son confort, ses amis, et de s'aventurer sur un terrain qui risque d'être compliqué. Et l'alliance ici, elle prend toute sa place. Dieu invite au voyage dans plusieurs sens, mais en même temps, il s'implique. Voilà ce que je vais faire si tu t'engages dans ce voyage. Oui, il y a une chose aussi que j'aimerais faire comme remarque. Lorsque Abraham a quitté son pays, comme on dit tout à l'heure, dans un confort, il va aller à Canaan. Canaan, c'est un endroit, une plaine. Donc, de la situation élevée qu'il avait, tout son nom, il ne faut pas oublier qu'Abraham, ça veut dire père élevé. Mm-hmm. Élevé, il va aller à Canaan, un endroit une plaine. Donc, ça va être, comme tu l'as dit tout à l'heure, il va avoir des problèmes. Et Dieu, justement, va en quelque sorte le mettre à l'épreuve. Oui, je vois plusieurs mains se lever. Ouais. En fait, comme tout à l'heure on a parlé, Dieu invite Abraham dans ses voyages de sortir de chez lui, aller à un pays qu'il ne connaît pas. Et ça me rappelle, il y a 17 ans, quand je suis arrivé en Europe, parce que j'arrivais en Angleterre d'abord, et je me mets dans le même moment dans lequel Abraham, je pense, a compris que Dieu est avec lui dans cet endroit, avec sa famille, et que Dieu sera aussi n'importe où il va aller, soit étranger. Donc, mon Dieu, c'est que je suis parti de la Bolivie, je dis, mon Dieu qui est ici en Bolivie, ça va être aussi mon Dieu en Europe. Donc, je pense que je vois un peu comme comprendre que mon Dieu n'a pas changé. C'est le même ici, en la terre, même si vous parlez anglais, oui. En Bolivie, qu'on parle espagnol. Donc, et Dieu ne change pas. C'est ça, je voulais faire la remarque. Ok. On reviendra au nom de Dieu dans un instant. Oui, David. Oui, David. Pour peut-être suivre dans la lignée de mon cher ami Victor Hugo, il y a une question qui me vient à l'esprit. Abraham signifie, comme tu l'as dit, Jean-Claude, père élevé ou père exalté. Et nous le savons que dans cette culture sémite, et notamment dans l'Orient, dans le Moyen-Orient, le nom prédestine ou a une symbolique particulière. Dans d'autres contrées, on donne des noms fantaisistes à des enfants. Mais là, dans cette région, le nom prédestine, le nom prépare un chemin. Je me demande, est-ce que Abraham n'a pas quelques questions existentielles? Il a déjà 75 ans. Il s'appelle père, élevé de surcroît. Il a déjà 75 ans. On lui demande de sortir de sa zone de confort. Et pourtant, il s'appelle père élevé. Est-ce que dans nos vies, nous ne nous demandons pas parfois, mais pourquoi est-ce que les promesses de Dieu ne se réalisent pas dans ma vie? Pourquoi toutes ces bénédictions qui me sont proposées, qui me sont données, en grand nombre ne se réalisent pas? Pourquoi je dois passer par des moments difficiles, marcher au travers de chemins très chaotiques? Est-ce que ce n'est pas l'état d'esprit d'Abraham, mais qui va entrer dans cette proposition, dans cet engagement que Dieu lui donne? Et même pour aller plus loin, Dieu lui dit, je ferai de toi, je te donnerai un nom. Or, il a déjà un nom. Mm-hmm. Un nom qui représente quelque chose d'une certaine valeur. Est-ce qu'on ne peut même pas voir encore plus loin? Si Dieu veut lui donner un nom, pourquoi il a besoin de partir aussi loin? Pourquoi faire ce voyage? Peut-être que si on revoit légèrement avant, il y a l'expérience de la tour de Babel, des gens qui veulent avoir un nom, se faire un nom. Mm-hmm. Et ils vont vouloir s'élever jusqu'aux cieux.
ils veulent faire aussi, entre guillemets, un voyage jusqu'aux cieux. Et Dieu les arrête net. Mais il propose à Abraham exactement le même projet. Sauf que c'est lui qui s'investit dans ce projet. Et quand on voit à ce moment-là ce que Dieu demande à Abraham, on dit, mais pourquoi il ne pouvait pas le faire là, tout de suite, là où il était? Pourquoi il a besoin de se faire ce voyage existentiel, spirituel? Répondre à cette question, c'est peut-être aussi répondre à ce que nous devons vivre aujourd'hui. Et je pense que tu as très bien fait, tu as bien fait de faire ressortir cela. Si on a besoin de vivre ça quelquefois, sans savoir où est-ce que Dieu veut nous emmener, parce que des fois Dieu nous demande des choses invraisemblables, il est en train de nous montrer qu'il y a peut-être quelque chose dans notre vie qui a besoin d'être transformé, enlevé, et ce voyage n'est là que pour ça. Si on reste sur place, ça ne pourra pas s'en aller. Oui ? Oui, et encore revenir sur cet impératif, quitte. Oui, ou va-t'en dans ma version. Va-t'en, voilà. Ou va vers toi, va pour toi. Alors, c'est très intéressant. J'aimerais faire un bond dans le Nouveau Testament. Ce fameux discours que Jésus a sur la montagne, et il dit ce fameux Makarios, qui a été traduit en grec. C'est-à-dire heureux. Heureux, qui a été traduit par Chouraki, par en marche. Dieu nous invite, comme il a fait avec Abraham, à nous mettre en marche, à nous mettre en mouvement, à nous déplacer. Tout ce qui est statique, périclite. Et Dieu nous demande non seulement de bouger dans nos neurones, dans nos esprits, mais de pouvoir évoluer, grandir. Et c'est ça, cette vie que Dieu nous propose, de la même façon qu'il a proposé à Abraham. Vas-y. Oui, justement, c'est très applicable dans notre situation. Il ne faut pas oublier que les adventistes, c'est un mouvement, ce n'est pas une église, ce n'est pas une institution. Donc, on doit toujours bouger. Et comme on dit tout à l'heure, si on ne bouge pas, on stagne. Excusez-moi du terme, ça pue. Exact. Et justement, le problème dans notre église, c'est qu'on a des acquis. Peut-être, disons, les écoles, les études bibliques que notre pasteur a transmis, mais ça s'arrête là. Et c'est ça le grand problème dans notre église. Il faut bouger. Je vais vous dire une statistique au niveau mondial. Vous savez que la moitié des membres d'église adventistes ne savent même pas la Bible. La moitié. Un tiers des membres d'église quittent l'église. Pourquoi ? Parce que ne bouge pas. L'étude de la Bible, ça s'arrête au niveau de ce que le pasteur a enseigné. Alors il faut bouger, il faut apprendre, il faut progresser dans notre cheminement, il ne faut pas rester sur place. Et c'est ça la raison d'être d'Abraham. Oui, donc je voulais poursuivre cette analogie. Je pense que exactement comme Dieu s'est abrissé Abraham, il nous regarde, chacun de nous, et il s'adresse à chacun de nous à un moment donné de notre vie. Parce que depuis la création, effectivement, ce qu'il a demandé à Adam et Ève, c'est de croître, de multiplier, de profiter, etc. Et nous aussi, dans notre vie, Dieu s'adresse à nous individuellement, à chacun, et il nous invite à un moment donné à changer, à revenir, à nous regarder, nous, à voir ce qu'on est, et à voir aussi ce qu'il a en face et qu'il nous propose. Et il nous dit, je suis fidèle envers toi, alors fais-moi confiance, sois fidèle et avance avec moi. Donc, en quelque part, la balle est dans notre camp à chacun, et c'est à nous d'accepter l'appel de Dieu et d'aller dans la direction qu'il nous propose. On peut voir aussi, par rapport à ce que vous venez de dire, un autre aspect de l'alliance. Dieu ne veut pas que nous restions statiques. Pourquoi ? On a parlé de puanteur, de moments où on s'appuie sur nos acquis. Mais je vois aussi un aspect de dépendance. Quand on reste sur place et qu'on prend l'habitude de quelque chose, on croit qu'on peut tout faire. On a l'impression qu'on peut être indépendant. Finalement, je sais faire quelque chose.
Et Dieu veut nous enlever cet esprit d'indépendance pour toujours dépendre de lui. Quand il nous invite à ressortir à chaque fois de ce moment d'indépendance, c'est juste, c'est toujours pour que nous puissions regarder à lui de nouveau pour dire, ok, pour aller où ? Mais choisir ainsi de dépendre nous permet de le laisser toucher nos cœurs, toucher nos vies, être transformé et enlever tout ce qui est mauvais indirectement pour justement aller plus en profondeur et ainsi être à même de dire, peu importe où tu m'emmènes, je te suis. Mais c'est, il faut avoir la volonté de vivre ça chaque jour. Sortir de son carcan, sortir de ce que je vis, me pousse à choisir de dépendre. Et ça, ce n'est pas toujours facile. On va essayer de brosser toutes les paroles d'alliance, ou du moins toutes les fois où Dieu revient vers Abraham par rapport à cette alliance, pour essayer de voir les alliances que Dieu, ou du moins l'alliance que Dieu veut faire avec Abraham. Je vous invite à lire Genèse chapitre 12, et à partir du verset 7, c'est la continuité de ce que l'on a vu, Genèse chapitre 12, 1 à 4. Est-ce que quelqu'un d'entre vous veut le lire ? Et on va prendre ensuite Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 12, verset 7. Quelqu'un ? L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Dans cette première partie ici, qu'est-ce que Dieu demande à Abraham ? Qu'est-ce que Dieu demande à Abraham de faire ? Il n'y a rien en fait. Dieu continue à donner des promesses, n'est-ce pas ? Chapitre 13, versets 14 à 17. Genèse, chapitre 13. 14 à 17. 14 à 17. Je vais lire. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et regarde depuis l'endroit où tu es. Va vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Si l'on peut compter les grains de poussière de la terre, alors on pourra aussi compter ta descendance. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai. » Là encore, qu'est-ce que Dieu demande à Abraham ? Rien de direct, mais le verset, pardon ? Lève les yeux, c'est tout. Lève les yeux, oui. Mais regardez bien la première partie du verset 14. Le Seigneur dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Il vient de vivre une expérience déchirante. Celui qui l'a accompagné de Ur en Chaldée était peut-être celui en qui Abraham avait confiance pour dire, bon, si j'ai pas d'enfant, il y a un petit-neveu à côté qui lui-même a perdu son père. Il va peut-être être celui qui va être mon descendant. Or, Dieu a fait en sorte que lui aussi s'en aille. Et désormais, il ne reste à Abraham que sa femme et lui, les serviteurs qu'il a. Et Dieu revient le voir pour lui dire la même chose qu'il lui a dite, mais en amplifiant le verset 7 du chapitre 12 que l'on a vu tout à l'heure. Ce terrain, ce pays, c'est à toi. Mais il lui donne des indications claires. Lève les yeux. Là-haut, ce sera à toi. Là-bas, ce sera à toi. Là-bas, ce sera à toi. Il confirme que non seulement ce sera à lui, mais ce sera aussi à ses descendants, descendants qu'Abraham ne sait pas encore c'est qui. Ok ? Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire. On peut aller au chapitre 15, sinon. Est-ce que Dieu ne bouscule pas encore nos pensées et les pensées d'Abraham ? Parce que, rappelons-nous, nous avions affaire à un sédentaire qui vivait à Ur en Chaldée, à qui Dieu demande de devenir un nomade. Ensuite, il dit à ce nomade, voilà, tu vois, tout ce que tu vois, et même au-delà de tout ce que peuvent voir tes yeux, cela t'appartiendra. Abraham doit se dire, waouh, c'est beau tout ça, mais ça bouscule. Et ça bouscule, et comment ça va se faire ? Parce que s'il faut acheter le terrain, il n'a pas les moyens. Voilà. Et d'autre part, j'aime bien comment est-ce que Dieu procède. Il lui a permis d'être avec Lot d'abord,
Mais ensuite, il permet que cette séparation se fasse. Ce n'est pas une séparation brutale et totale, même si parfois on a l'impression que c'est le cas, mais Dieu lui permet d'aller progressivement dans ce cheminement. Dans ce cheminement existentiel d'abord, ce cheminement intérieur, ce cheminement géographique. Et est-ce que, en fait, Dieu n'appelle pas Abraham, il ne nous appelle pas à aller vers l'autre, avoir des relations sociales, puisque l'être social par excellence, c'est Dieu. Il a choisi de ne pas être seul. Oui. La leçon ne touche pas forcément cet aspect-là, mais je crois qu'on l'a vu avant, ou on le verra après. À chaque fois que Dieu fait une alliance avec Abraham, ou il fait une promesse à Abraham, qu'est-ce qu'Abraham fait ? Il bâtit un hôtel. Il bâtit un hôtel. Ce qui était tout à fait normal. Je veux louer mon Dieu, je fais un hôtel. Mais devant cet hôtel, je mets quoi ? Pour les païens, on mettait une idole. Or, là où Abraham passe, il met un hôtel pour remercier à ce Dieu de l'Alliance ce qu'il lui promet et ce qu'il va faire dans sa vie. C'est un moyen de témoignage aussi. Un mémorial. Un mémorial, oui. Pour justement montrer que lui, il croit en un Dieu différent et il n'a pas honte de le dire. Le témoignage se vit de façon réelle. Les gens, quand ils passent, ah tiens, un mémorial, un hôtel, mais c'est en l'honneur de quel Dieu ? Et souvent, quand ce mémorial était réalisé, et on le voit notamment dans tout au cours de l'Ancien Testament, les personnes prenaient des pierres, notamment Jacob, mais c'était des pierres naturelles. C'est-à-dire des pierres qui n'avaient pas été sculptées, qui n'avaient pas été touchées, qui n'avaient pas subi l'intervention de l'homme. Donc tout cela pour montrer que Dieu nous permet de faire cela, mais c'est lui qui fait toujours tout. Ok, on continue au chapitre 15 et le verset 4 à 7. Alors l'Éternel lui parla en ces termes. « Non, cet homme-là ne sera pas ton héritier. C'est celui qui naîtra de toi qui héritera de toi. » Puis Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit « Contemple le ciel et compte les étoiles, si tu en es capable. » Et il ajouta « Tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. » Abraham fit confiance à l'Éternel et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Il lui dit « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. » Merci. Qu'est-ce que Dieu demande à Abraham encore une fois ? De lui faire confiance. C'est sa deuxième promesse, la promesse de Dieu. Oui, il n'y a rien de compliqué dans ce que Dieu demande à Abraham. Quelle est la situation qu'Abraham vient de vivre ? Lot vient d'être enlevé avec tous ceux qui habitaient dans la vallée de Sodome et Gomorre. Et quand il apprend, Abraham part au combat avec les meilleurs serviteur qu'il a, et Dieu lui permet de gagner la guerre contre ces rois habitués à la guerre, extrêmement armés, et il revient victorieux. Il se rend compte qu'il aurait pu mourir au combat. Si vous lisez au chapitre 15 et le verset 1, il est écrit ceci. Après cela, la parole du Seigneur parvint à Abraham dans une vision et lui dit « N'aie pas peur, Abraham, je suis moi-même ton bouclier, ta récompense sera très grande. » Dieu se rend compte qu'il y a eu un moment de peur là. Et s'il meurt, ben, il n'y aura plus de descendance. Et Dieu rappelle la promesse. Il y aura un descendant. Et Abraham lui dit, mais oui, il y a peut-être Eliezer, mon plus fidèle serviteur. Et Dieu lui dit, non, c'est ni Lot, c'est ni Eliezer, c'est quelqu'un qui descendra de toi. Là encore, Dieu lui a simplement dit jusqu'à présent de partir. Va-t'en, quitte ton pays, suis-moi. Et dans cette marche ou dans le fait de suivre Dieu, on voit Abraham lutter intérieurement, spirituellement contre lui-même en fait. Parce que tout ce que Dieu lui demande, ça dépasse le sens humain des choses. Et ça le fait mal dans plusieurs sens. Il doit se séparer de Lot. C'est pas finalement celui qui humainement pourrait hériter de mes biens. Alors c'est qui ? Et les années passent.
Et Abraham n'a plus 75 ans, il a peut-être déjà 80, 85 ans, et il n'y a toujours pas d'héritier. Oui ? Ça démontre bien la pédagogie de Dieu ici. Il est en train d'enseigner à Abraham, et Abraham commence à grandir spirituellement dans son cheminement. C'est ça la chose que nous devons avoir en tant que peuple. On doit toujours progresser dans notre cheminement pour ne pas rester comme à l'état de stagnation, mais toujours progresser. Et là, Abraham, on voit bien que ça le turlupine de penser à ce genre d'état. C'est carrément, quasiment illogique. On ne peut pas raisonner dans ce genre de choses. Et c'est là que cette fameuse alliance entre en jeu. Et c'est là que l'on a besoin, et c'est ça que Dieu désire, pour que nous, on a cet état d'esprit d'avoir besoin de lui pour avoir cette relation. Sinon, on est rien du tout. On n'a même pas besoin de Dieu en ce moment-là. Mais c'est la pédagogie de Dieu, c'est de nous mettre dans un état où on a besoin de lui. Oui. Et Abraham, là, il a besoin carrément de Dieu. Il faut qu'il ait à la fois, il doit ressentir ce besoin de dépendance, mais il doit aussi faire confiance à Dieu. Parce que s'il a besoin de quelqu'un, mais il n'a pas confiance en Dieu, ça ne peut pas marcher. Il faut à ce moment-là choisir de dépendre en celui qui peut faire quelque chose. Oui ? Oui. Et la question, bon, c'est pas une question, mais comment est-ce qu'on peut développer la confiance ? Comment est-ce qu'on peut développer la paix ? Ça me revient une histoire de quelqu'un, c'était un peintre, c'est un musée, et il avait fait une exposition dans laquelle il faut dessiner la paix. La paix, c'est quoi la paix ? Et au fond du tableau, c'était un tableau. On voit un petit oiseau, il y a les nuages, il y a les vents, il y a tout. Mais au milieu de tout ça, il y a un petit oiseau. Et les gens ne comprennent pas pourquoi ça va représenter la paix. Bon, ce petit oiseau, elle est tout tranquille, au milieu des brouillards, et il a la paix. La confiance, comment on développe ? C'est facile à être confiant quand tout va bien. J'ai un travail, je vais bien, l'église est super, ici, tout va bien. J'ai la santé, c'est facile. Mais quand il y a des problèmes, des difficultés, là, Abraham, il avait des difficultés, il n'avait pas un enfant. Oui. Je pense que c'est là, au moment difficile de notre vie, c'est là, je pense, qu'on développe quelque chose. Mais c'est en prenant la main de Dieu. Et là, je me rappelle des choses qui passaient dans ma vie. Tout le monde a passé des moments difficiles. Peut-être à un moment donné, on ne voit pas la main de Dieu. Mais plus tard, peut-être, waouh, comme tout à l'heure a dit mon frère, on est dans l'action, mais on ne comprend pas. Mais plus tard, ah, merci papa, maintenant je comprends. Et ce côté rationnel, des fois, il ne laisse pas avancer, il ne laisse pas avoir cette confiance. Oui, mais Victor Hugo, quand j'analyse le texte, il me paraît même invraisemblable. Alors, j'aimerais revenir sur la première promesse que Dieu va faire à Abraham. Nous sommes dans le chapitre 13. Il va lui dire, toi, le pays que tu vois, je le donnerai à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Quand on pourra compter les grains de poussière de la terre, alors on comptera tes descendants, ce qui est une chose qui est assez difficile. Ensuite, au chapitre 15, qu'est-ce que l'Éternel va lui dire ? Il lui conduisit dehors, il le conduit dehors, lève les yeux au ciel et dénombre les étoiles, si tu peux les dénombrer. C'est extraordinaire. On passe de la terre, de la poussière de la terre, aux étoiles. Des êtres lumineux, des êtres extraordinaires. Et on comprend bien pourquoi par la suite du récit, Dieu va dire à Abraham, des rois sortiront de ton sein. Dieu nous fait des promesses qui nous dépassent totalement. Et c'est Jérémie qui va nous dire, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous préparer un avenir et de l'espérance. Toi qui nous regardes, tu passes peut-être par des épreuves terribles et difficiles, mais il y a un espoir, que ce soit par la maladie, que ce soit par la perte d'un être cher.
J'ai eu l'occasion d'être durant les deux semaines dernières avec Thierry Lenoir à la Linière. Et je vous assure, les amis, pendant ces deux semaines, j'ai eu le cœur qui se déchire. De voir des personnes dans des situations terribles, inimaginables, sur le point de la santé. Une petite dame avait subi plus de 4 opérations sur sa colonne vertébrale. Quand elle pense qu'elle va sortir de l'auberge, elle se casse le sacrum. Oui. Et ensuite, elle va dire, j'en ai assez de souffrir. Ce petit corps a déjà trop souffert. Voilà notre réalité. Mais qu'avons-nous à proposer comme espoir à ces personnes? Puisque elles aussi, elles sont les descendants d'Abraham. Oui. Et Dieu a des projets merveilleux pour nous. Quelqu'un veut répondre à ta question là? Parce que c'est, je pense que ceux qui nous écoutent, aussi bien dans la salle ou par Internet, veulent avoir une réponse. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais je vois vraiment un amour grand et profond de Dieu, un amour qu'on ne pourra jamais vraiment comprendre, ni sonder, ni mesurer, parce que le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. J'ai calculé dans ma tête rapidement, je me suis rendu compte qu'il a fallu 24 ans pour que Isaac naisse, et Abraham avait environ 110 ans lorsque Dieu lui a demandé de lui offrir son fils. Donc en fait, c'est un cheminement qui est super long. Donc quel que soit le temps, Dieu, lui, dans sa préscience, sait à quel moment il va vraiment rencontrer l'individu. Ce que nous avons à faire, c'est de le refléter, de vivre cette adoration qu'il nous demande de vivre et de le refléter autour de nous. Voilà, en partie. J'aimerais bien insister surtout sur la confiance en Dieu. Lorsqu'on dit confiance, il y a la foi. Et je crois que c'est la chose la plus importante. Une fois, quand j'ai fait l'école du sabbat avec quelqu'un, on a parlé, et puis certainement, oh oui, ce que tu es en train de dire là, ça ne m'intéresse pas, mais moi, ce que je veux, c'est la foi. Alors, il y a un passage dans la Bible qui le dit. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut étudier la parole. C'est la seule chose. C'est ce moment-là, on demande à Dieu qu'il nous donne, par son Esprit Saint, de développer notre foi. On a très peu de foi, mais comme dit la personne qui a eu, donne-moi la foi parce que j'en ai très peu. Mais justement, c'est là qu'on demande, c'est là qu'on dit, donne-moi cette foi pour que je puisse avoir confiance en toi. Parce que tout ce que tu me demandes, c'est irraisonnable, c'est illogique. Voilà. Et une fois avec la foi, sûr, il y a une bénédiction, comme disait tout à l'heure là, ça te met en marche, heureux, Makarios, il y a tout ça qui entre en jeu, heureux, et tu te mets en marche. Et justement, Dieu a dit à Abraham, sois intègre et marche. Donc, on bouge, on ment, il y a un mouvement. Et ça, c'est une chose qu'on doit apprendre. On doit apprendre dans notre cheminement et dans notre Église. Juste pour revenir à ce qu'est en train de dire de la confiance et ce que David a dit, qui a visité des gens qui sont malades. Je pense qu'il y a des gens qui nous regardent aussi, il y a des gens qui sont malades. Et dans ce moment, je pense, parce que hier, mon épouse a reçu un appel de son père, parce que son père... Elle, à son père, ou son grand-père de ma femme, elle est malade. Il a demandé, elle est malade comme tout le monde, Covid, et elle a demandé de plus parce qu'elle est entourée. Elle ne veut pas vivre. Et là, il a un dilemme, c'est son père ou pas, parce qu'elle demande de mourir. Mais en fait, je veux dire, il y a toujours l'espoir. Et ce que tu parles là, c'est la foi. Et je pense que nous, en tant que chrétiens ici, on doit réfléchir. Donner cette envie de vivre autour de nous. Et je veux juste dire à chacun, il y a toujours l'espoir, même au moment difficile, même si c'est noir, il y a toujours une petite lumière. Et c'est ce que Dieu nous dit aujourd'hui, qu'ayez confiance, avancez même si vous ne comprenez pas. C'est juste ça que je veux dire, la confiance, ça développe dans le moment difficile. Oui, on le voit au chapitre 15 et le verset 6, ce qu'on vient de lire tout à l'heure. Le texte dit... Il mit sa foi dans le Seigneur.
Je ne sais pas ce que ça veut dire, parce qu'après, il ne va pas faire ce que Dieu lui a demandé. Il va prendre, selon la suggestion de sa femme, il va prendre Agar. Mais à ce moment-là, par rapport à la promesse de Dieu, il dit simplement au Seigneur, « Ok, je ne comprends pas comment ça va se faire, mais je te fais confiance. C'est dur, j'ai du mal à le vivre, à le comprendre, à l'accepter peut-être, mais je veux te faire confiance. » Quand on passe par des moments de souffrance, quand, peu importe la situation, peu importe ce que l'on peut vivre, la maladie, une séparation, une perte de travail, on peut énumérer plein de choses. Il n'y a pas de choses simples à dire à quelqu'un qui fait face à un moment comme ça. Simplement lui rappeler les promesses peut-être de Dieu n'a pas forcément quelque chose de cohérent pour la personne qui souffre. Mais je pense que quand Dieu dit « N'aie pas peur » au verset 1 du chapitre 15, il donne cette envie de se tourner vers lui. Pour que si on accepte de se tourner vers lui, eh ben, malgré tout, Dieu peut nous aider à passer au travers de cette souffrance. On va essayer de continuer au chapitre 17 et le verset 1 et 2. C'était le verset à mémoriser pour aujourd'hui. Mm-hmm. Chapitre 17 et le verset 1 et 2. Quelqu'un veut le lire ? Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Qu'est-ce que Dieu demande à Abraham ? Pour une fois, c'est clair. C'est écrit. Marche en ma présence et sois parfait. Sois intègre, sois parfait. C'est intéressant. Il a fallu 99 moins... ça fait 14 ans. Il a fallu 14 ans pour rajouter quelque chose de plus. Quitte ton pays, on peut le rapprocher avec « marche devant moi mm-hmm. ». D'accord ? Il a finalement quitté son pays. Dieu poursuit sa démarche, continue à marcher avec moi, mais sois intègre. Pourquoi sois intègre ? Quand on voit le contexte, cette fois-ci, il a pris Agar, selon la suggestion de sa femme. Ismaël est né, et Dieu va lui rappeler que ce n'est pas lui. Ce n'est pas cet enfant-là. Ça vient bien de toi, mais l'enfant naîtra aussi de ta femme. De Sarah, il y a comme une sorte de blague, si vous me permettez l'expression, de la part de Dieu. Oui, on peut voir ça comme ça. Pardon ? Dieu a le sens de l'humour. Exact. Oui, c'est pas comme ça que j'ai vu les choses. Donc, on revient au plan original. Sois intègre. Gardons l'objectif. Je vois Abraham au chapitre 17, éclaté de rire, parce qu'il ne peut pas croire ce que Dieu est en train de lui dire. Si on lit à partir du chapitre 17 et à partir du verset 9, Dieu discute longuement avec Abraham. À partir du verset 9, il parle de la circoncision, etc. Et à partir du verset 15, Dieu dit encore à Abraham, « Quant à Sarai, ta femme, tu ne l'appelleras plus du nom de Sarah, son nom sera Sarah. Je la bénirai, d'elle aussi je te donnerai un fils. Je la bénirai, elle deviendra des nations, les rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba face contre terre, il rit en disant, « Naîtrait-il un enfant d'un homme de 100 ans ? Sarah aurait-elle un enfant à 90 ans ? Abraham dit donc à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant toi !» Mais Dieu lui dit, « Ce n'est pas cela. » On est plus qu'à la retraite désormais. On dépasse l'âge de pouvoir même assumer une procréation. Et Dieu dit, « Oui, ce sera de vous deux. » L'invraisemblable est programmé. Oui ? Mais
Sully, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la signification de El Shaddai? Oui. Parce que tu poses la question. Pourquoi, comment est-ce que Dieu se présente cette fois-ci devant Abraham à chaque fois qu'il fait l'alliance? Si on a vu jusqu'à présent, Dieu s'est toujours présenté comme étant Yahweh. D'accord? Pourquoi Yahweh? Yahweh parce que c'est celui qui est... celui qui est toujours existant, si on peut dire ça comme ça. On le dit en français, l'éternel. Et c'est celui qui est éternel, celui qui est toujours existant, qu'il fait cette alliance. Pour lui, il sera toujours là pour accomplir cette alliance. Là, cette fois-ci, Dieu se présente comme étant le El Shaddai, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire le Tout-Puissant, celui qui est capable de tout. Et il dit ça pour montrer que l'invraisemblable peut se réaliser. Oui, oui, voilà, parce que et exactement, tu touches un point sensible. El Shaddai, Dieu puissant, mais Dieu puissant pas uniquement sur le plan militaire. Oui. Le Dieu puissant, c'est le Dieu qui transmet la vie. Je vais te montrer, Abraham, tu es peut-être plus proche de la tombe que de la vie, mais je vais faire essouffler dans tes veines la vie. Mmh. Et de toi va naître... cette promesse. Je t'avais fait la promesse il y a de ça quelques années, mais maintenant ça devient encore plus clair. Tu vas pouvoir la vivre véritablement, Abraham. Ok, oui. Il y a une chose aussi qu'il faut remarquer. Lorsqu'on dit Yahvé, ça veut dire je suis. Lorsque Dieu s'est montré à Moïse, à quel nom veux-tu que je donne ? Il dit je le suis. C'est Yahvé. Le Yahvé, ça veut dire le Dieu de la relation, le Dieu qui est toujours près de l'homme. Mmh. Et puis là, il me montre de nouveau le El Shaddai. C'est le Dieu de la maison, du foyer, de la mère. Parce qu'il y a le mot Shad qui veut dire aussi mamelle, veut dire le sein. Ça veut dire donc que c'est un Dieu qui va s'occuper de la famille. Et Dieu, justement, va s'occuper d'Adam. Et d'Abraham et de Sarah. Et justement, pourquoi on a changé le nom de Sarai à Sarah ? C'est que justement, Sarai, ça veut dire ma princesse. Le I, ça veut dire pronom personnel. Adjectif positif. I, par exemple, Eli, mon Dieu. Sarai, ça veut dire ma princesse. Ça devient Sarah. Mais Sarah, c'est pour tout le monde, c'est pour tout le peuple. Et il y avait une personne qui disait la multitude, ça veut dire aussi la populace. Qui que ce soit, qu'il soit esclave, qu'il soit une personne âgée, qu'il soit une personne de haute placée, qui que ce soit, c'est comment dire, la promesse a été transmise à toutes ces personnes-là dont nous faisons partie. Tout le monde est inclus. Tout le monde est inclus, qui que ce soit. Oui. Alors, tu as mis le doigt sur le sens du nom El Shaddai. Qu'est-ce que cela peut représenter pour nous ? Tu dis que c'est pour toutes les princesses, y compris toutes les dames, mais aussi, je pense, tout être humain. Pour en revenir juste aux princesses, qu'est-ce que l'apôtre Pierre disait aux gens ? Il disait, je vais vous faire, je crois que j'aimerais quand même le lire, dans 1 Pierre chapitre... On connaissait ce passage. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, une sacerdoce royale. Donc, à cause de Sarah, qui est une princesse, on devient des rois. Une sacerdoce royale, une nation sainte, un peuple acquis, à qui vous annoncez les vertus, à celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. En tant que peuple, on est un peuple de rois. Je vais exagérer un petit peu, je n'ai pas de couronne. mais qu'est-ce que Dieu veut dire par « je suis un roi » ou du moins un prince ou une princesse dans cette alliance ? Je vois d'abord la volonté de faire de nous des êtres au-delà de ce que l'on est déjà. Je ne suis pas simplement Abraham, un père élevé. Je suis aussi quelqu'un que Dieu veut
appelé à vivre une vie meilleure. Tout ce cheminement, finalement, va arriver à ce summum dans Genèse au chapitre 22, où Dieu lui dit, « Ok, tu as un fils, Ismaël est parti, il te reste Isaac. Il faut le sacrifier. C'est l'enfant que Dieu a promis, c'est l'enfant de la promesse. Et Dieu lui dit, « Ok, il va falloir que tu l'enlèves. » Je ne suis pas sûr que ce matin-là, Abraham est parti voir Sarah pour lui dire, « Écoute, Dieu m'a dit de sacrifier notre fils, je vais y aller. » Et moi, j'ai l'impression qu'il est parti tout seul sans rien dire. Mais on voit, là encore, au bout d'un cheminement de 3 jours, Abraham arriver à la conclusion que si c'est l'enfant de la promesse, il faut toujours faire confiance au Seigneur. Ça a été des sacrifices pendant des années, encore et encore et encore. Et puisque Dieu demande l'ultime sacrifice, mais que c'est quand même l'enfant de la promesse, Dieu pourvoira une solution. Il a compris finalement que dans toute chose, il va falloir dépendre de Dieu, de mettre sa confiance totale et ne plus dépendre de lui-même. Et j'aimerais terminer ici, dans cette leçon nous avons étudié dans cette alliance éternelle, la même alliance que Dieu a faite avec Abraham, il veut la faire avec nous, dans un cheminement d'abord. Mais cela n'est pas pour le vivre seul. Dieu veut nous accompagner, Dieu veut nous guider, Dieu veut nous faire passer quelquefois par des moments difficiles, mais il dit, je suis l'éternellement là. Je suis celui qui sera toujours à tes côtés pour pourvoir. Et simplement, ce qu'il me demande de faire, c'est d'avancer avec lui, de lui faire confiance et d'être intègre. Il y a plein de choses qu'on aurait pu dire et rajouter, mais j'aimerais qu'on puisse donc terminer ici, puisque le temps est déjà bien dépassé. Et j'aimerais inviter à chacun et à chacune de continuer cette étude, continuer le dialogue, continuer aussi à étudier les leçons chaque semaine pour revenir et trouver davantage dans la parole de Dieu pour continuer à vivre avec lui. Et je vous invite à la semaine prochaine où nous pourrons revivre encore une fois un moment de dialogue et de reconnaissance avec Dieu de ce qu'il nous propose à vivre au travers de ses alliances. Mais avant de conclure, laissez-moi prier avec vous. Tendre Père Céleste, nous te remercions pour l'expérience d'Abraham, une expérience de foi. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des erreurs ou des faiblesses ou des manquements, mais ça a été surtout un moment où tu t'es montré présent, où tu as montré que tu voulais pourvoir et tu as surtout été celui qui a donné tes promesses et qui les a accomplies dans la vie d'Abraham. Seigneur, alors que nous allons continuer ce saint jour de sabbat, aide-nous à choisir de vivre encore et encore comme Abraham, à rechercher cette relation avec toi, cette dépendance avec toi, pour que non seulement nous puissions mieux vivre, mais que tu puisses nous transformer à ton image. Fais là ce que nous pouvons te demander, c'est ton Jésus que je te prie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Il y a 20 ans, j'ai visité le Tchad. J'ai pris un vol de Washington à Paris et un vol direct d'Air France directement sur N'Djamena. Je me suis rendu dans de nombreux endroits au Tchad et on m'a rapidement rappelé l'importance vitale de l'eau. La moitié du pays est désertique, mais l'eau est précieuse partout. Et je n'oublierai jamais ma rencontre avec un homme qui attendait le baptême depuis des mois et des mois, mais il n'y avait tout simplement pas d'eau.
Quand je suis arrivé au Tchad, les membres de l'église m'ont accueilli comme si j'étais un membre de leur famille perdu de vue depuis longtemps. Partout, ils m'ont dit combien ils étaient heureux que leur église mondiale ne les ait pas oubliés. Je ne savais pas grand-chose du pays, mais je savais qu'il était pauvre. Pas seulement au niveau de l'inconfort, mais comment survivre jour après jour. Et que sera fait demain? Pauvre à quel point? Plus de 80% de la population vivait en dessous du seuil de pauvreté et l'espérance de vie était inférieure à 48 ans. Je pense qu'il est juste de dire qu'il y a 20 ans, la plupart des adventistes vivant en Europe, en Amérique, en Australie ou ailleurs ne savaient pas grand-chose sur le Tchad. Aujourd'hui encore, beaucoup d'entre nous auraient probablement du mal à le situer sur une carte. Et pourtant, j'ai trouvé un bureau de mission dans la capitale, à N'Djamena. J'y ai découvert des églises et des entreprises dynamiques. J'ai vu des écoles remplies de beaux enfants et même un petit hôpital. Il y avait un grand groupe de pionniers de la mission mondiale, dévoués et engagés, qui implantaient de nouveaux groupes de croyants dans tout le pays. J'ai visité une église au Tchad qui, comme le reste du pays, était désespérément pauvre. Mais voici ce que je veux dire. L'église était vivante. Elle était active. Elle était témoin. Elle avait des projets et des programmes. Ils étaient différents dans la société et tous le remarquaient dans leur entourage. Et comment cela s'est-il produit? Eh bien, c'est grâce à l'action du Saint-Esprit et aux membres des églises du monde entier qui ont fidèlement donné leurs dîmes et leurs offrandes missionnaires sans savoir où chaque dollar, chaque euro allait nécessairement aboutir. Grâce au système de dîmes et d'offrandes de l'Église, la mission au Tchad a été financée par des membres de l'Église du monde entier qui ne savaient rien de la mission au Tchad. Je me suis mis à réfléchir sur une ancienne expression qui dit « La roue grinçante reçoit la graisse ». En gros, cela signifie que celui qui fait le plus de bruit est celui qui reçoit le plus de fonds. Et parfois, dans notre église, ce sont les organisations dont les photos sont les plus intéressantes, les vidéos les plus convaincantes, les histoires les plus touchantes qui reçoivent les plus gros dons. Ce sont donc elles qui obtiennent la graisse, pour ainsi dire, le financement. Et c'est très bien ainsi. Mais que faisons-nous pour les régions du monde où les petits groupes de personnes qui ne peuvent pas communiquer comme les plus gros et qui grincent des dents, pour ainsi dire? Alors que faisons-nous? Suffit-il de les ignorer? Le système d'offrande régulière et systématique de l'Église, ce que le ministère de gestion chrétienne de la vie appelle promesse, est comme une rivière. Chaque offrande en faveur des missions est comparée à de l'eau ajoutée à une rivière qui donne la vie et qui coule à travers des terres souvent desséchées, apportant la vie et l'espoir. Nous contribuons au développement de l'Église, non seulement au niveau local, mais aussi dans des régions dont nous n'avons peut-être jamais entendu parler. Nous aidons des missionnaires que nous ne rencontrerons peut-être jamais. Nous construisons des écoles et des cliniques que nous ne visiterons probablement pas du tout. Nous aidons à implanter des églises. Nous ne pratiquerons peut-être pas une seule fois le culte dans aucune d'entre elles, mais nous donnons vie à la mission de l'Église. Je ne sais pas ce que fait chaque goutte d'eau dans la rivière, ni où elle va, mais je vois des résultats spectaculaires. Le psaume 104 déclare « Il envoie les sources dans les vallées, il coule parmi les collines. Elle donne à boire à toutes les bêtes des champs, les ânes sauvages étanchent leur soif. Par eux, les oiseaux du ciel ont leur maison, ils chantent parmi les branches. » Aujourd'hui, les offrandes en faveur des missions permettent d'envoyer et d'équiper des missionnaires dans le monde entier. Notre soutien aide l'Église adventiste à répondre à la grande mission. Grâce à vos offrandes, des missionnaires ont la possibilité de porter l'amour de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons le privilège d'aider les membres de l'Église à voir que leurs offrandes sont comme une rivière de la mission qui donne la vie et qui coule à travers des terres souvent desséchées. Cette rivière permet aux missionnaires d'être placés partout dans le monde. Elle contribue à développer les ministères éducatifs, médicaux et humanitaires de l'Église et bien plus encore. Ces dernières années, nous avons vu des millions de personnes donner leur cœur à Jésus et rejoindre l'Église adventiste du septième jour. Des milliers de nouvelles congrégations ont été créées. Comment pouvons-nous nous occuper de l'éducation de ces nouveaux croyants? Comment leur fournir des ressources et le matériel dont ils ont besoin?
Comment assurerons-nous une pastorale permanente? Mes offrandes pour la mission sont vitales. Données régulièrement et systématiquement, elles participent au soutien et à la croissance de nouvelles œuvres dans le monde. Et c'est là l'essence même de l'Église. Chers adhérents, chers membres, nous, les jeunes, nous lançons un appel. Les parents, les administrateurs, les bénéficiaires de ce lieu merveilleux qui est le Moulin des Rolles. Depuis bientôt 40 ans, des milliers de jeunes, d'animateurs, des familles se retrouvent dans ce lieu emblématique pour vivre des temps de partage, de formation et de vacances. Le Moulin des Rolles, c'est un hébergement ouvert toute l'année. Il y a 70 lits en intérieur et une capacité démultipliée l'été en extérieur. Le moulin, c'est la nature sur plus de 30 hectares, géré par 3 employés à temps plein, plus de 15 personnes en contrat ponctuel et plus de bénévoles. Aujourd'hui, le moulin s'agrandit. Nous voulons proposer plus de services. Accueillir des familles qui veulent se retrouver dans la nature. Rendre accessible ce lieu de vie pour les personnes porteuses d'un handicap. Proposer un lieu convivial pour des petits groupes. Alors, pour poursuivre ce rêve, nous avons besoin de vous. Vous, vous. Le projet s'appelle le Molinier. En occitan, c'est le nom d'un petit moulin. En mars 2021, un voisin du moulin nous a vendu sa maison. Ce lieu est idéalement placé, mais ne bénéficie d'aucun aménagement. Alors, tout est à faire. Électricité, plomberie, carrelage, isolation. C'est pour cela que nous faisons appel à votre générosité pour transformer ce nouveau bâtiment à un lieu agréable, fonctionnel et convivial. Vous pouvez nous aider en apportant une participation financière qui est déductible de vos impôts. Alors, pour toutes ces aventures que nous avons vécues ensemble et toutes ces histoires que nous allons construire, nous vous disons merci. 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 Il y a 7 ans, la jeunesse adventiste et l'association médicale adventiste se sont mobilisés pour venir en aide à l'association Nicodème qui aide au financement de l'école COSA au nord du Cameroun. Grâce à l'investissement des jeunes, des salles de classe ont été construites et plus de 700 jeunes suivent une scolarité normale chaque année. Aujourd'hui, le village de COSA qui se trouve à proximité du Tchad et du Niger est face à deux défis, la pauvreté et le terrorisme. La jeunesse adventiste du sud de la France veut se mobiliser à nouveau pour apporter son aide à ses enfants, Tison et Explo, qui souhaitent aller à l'école. Pour relever ce défi, tu peux, avec ton antenne locale, parrainer un ou plusieurs enfants dans sa scolarité à hauteur de 50 euros par an. Tu peux aussi collecter des pièces dans des bouteilles pour financer des gardes du corps pour protéger les enfants sur le trajet de l'école et à l'école. Tout l'argent récolté sera apporté aux rallyes fédéraux du mois de mai. Notre défi est de lutter contre la terreur et la pauvreté par l'instruction. On compte sur toi. Bonjour, bon sabbat et bienvenue à l'église de Collonges. Bienvenue à vous tous qui nous regardez à travers vos écrans. Nous sommes contents que vous soyez avec nous ce matin. Et nous sommes toujours ravis d'avoir de vos nouvelles. Donc si vous nous écoutez, si vous avez envie de faire un petit signe, envoyez-nous un petit commentaire, envoyez-nous un petit mail et puis faites-nous savoir que vous êtes là. Alors, vous savez que quand j'interviens, c'est par rapport à la parole aux enfants. Donc chaque semaine, nous avons un coloriage que nous proposons aux enfants en lien avec l'histoire qui est racontée pendant le culte. Et la semaine dernière, nous avons une histoire sur ce petit hérisson qui, comme il pique, personne ne voulait s'approcher de lui. En tout cas, il voulait, mais c'était difficile parce qu'il se faisait piquer. Et les amis, ils ont quand même réussi à trouver un moyen pour pouvoir avoir de la compassion pour lui, pouvoir se rapprocher de lui et lui faire un câlin. Donc, merci à tous ceux qui nous ont envoyé leur coloriage. Je pense qu'on en a un d'abord sur l'histoire d'avant, si je ne me trompe pas. Voilà, ça, c'est Eva. C'était sur l'histoire précédente, sur Lune de Miel, qui était un cheval compatissant.
Et les autres images sont celles qui ont été envoyées sur l'histoire de la semaine dernière. Donc merci beaucoup à Tamar. Tamar nous envoie régulièrement ses coloriages. Merci beaucoup, salut à toi. Merci à Leïna, qui nous a rajouté un petit papillon. Merci à Aline. Merci à William. À Léa. Maëlie, j'aime bien les petits pois sur l'écureuil, Maëlie. Merci à Emma. Nous avons Noémie. Oh là, je vois des cœurs. Et Raphaël. Raphaël et maman. Parce que Raphaël n'avait pas tout fini. Et aussi Moéveil, qui était à côté d'Ethan. Oh, non, là, c'est pas la bonne image. Zut. Bon, c'est pas grave. Donc, Ethan, qui avait aussi fait son coloriage, qui était à côté de Moéveil, qui avait suivi un petit peu les consignes de Moéveil. Donc, merci beaucoup à vous tous de participer à ce culte. Et aujourd'hui, nous allons commencer à explorer une nouvelle béatitude. Et c'est heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et c'est Yvonne qui va nous raconter une histoire tout à l'heure, qui va nous parler de ce verset. Donc je vous invite à écouter et à télécharger l'affiche qui est sur notre site internet, sur les réseaux sociaux, et de nous envoyer de vos nouvelles. Bon sabbat à vous, et puis bon culte. Eh bien, bienvenue en ce sabbat 24 avril. Vous avez peut-être remarqué en rentrant dans l'église qu'il y a des magnifiques affiches que Victor Hugo Lara nous a préparées pour cette journée de la redynamisation du ministère de prière dans notre communauté. Et voilà un peu l'équipe derrière moi qui participe à cette redynamisation. Nous avons aussi Erika et Alina Brown qui ne peuvent pas nous rejoindre à cause du confinement. Et nous avons à cœur ce sabbat de vous proposer plusieurs choses. Déjà, la prédication que je tiendrai sera sur la prière de Daniel 9. Et puis, malheureusement, comme nous ne pouvons pas nous réunir cet après-midi, faire des ateliers ou ce qu'on pensait, c'était vous proposer un film qui ouvrait sur le thème de l'intercession, eh bien, nous vous proposons une réunion Zoom pour ceux qui veulent, après leur promenade de l'après-midi, entre 18h et 19h, nous rejoindre pour parler du sermon sur Daniel 9, mais aussi pour prier ensemble, intercéder, implorer ensemble. Et puis, vous le verrez aussi dans la feuille d'annonce, nous vous proposons quelque chose d'un peu unique qu'on ne vit pas souvent dans notre communauté. C'est un jeûne et on l'a placé le 16 mai, vous comprendrez pourquoi dans ma prédication, mais aussi pour vous donner du temps de vous préparer et de nous rejoindre dans ce jeûne. Maintenant, on a du petit matériel qui vous a été distribué, que vous avez aussi sur Internet ou sur le site, et Sharon va vous expliquer ce que sont toutes ces fiches. Bonjour, il y en a trois, de trois couleurs différentes. Je commence par la plus grande, en vert. Et là, on vous demande de remplir avec vos suggestions, vos avis sur le ministère de la prière et son rôle. S'il vous plaît, il faut juste cocher si vous avez des choses supplémentaires à rajouter. Et avec les deux autres fiches, je vais vous expliquer comment on va faire. Deuxième fiche à remplir. Et c'est par rapport à l'engagement à prier trois fois par jour, du 25 demain jusqu'au 16 mai, vous pouvez commencer aujourd'hui, jusqu'au 16 mai, le matin, le midi et l'après-midi, le soir, comme Daniel en fait. Et chacun peut mettre son nom, l'heure où on s'engage à prier. Et si vous voudriez avoir des encouragements, des informations, d'autres supplémentaires du ministère de la prière à partir de maintenant, vous pouvez remplir avec vos coordonnées. Ces deux fiches, si vous pouvez les remplir et les remettre à la fin du culte,
dans des corbeilles de vent, ce serait vraiment très utile pour nous. La troisième fiche, en fait, a les mêmes infos que la petite fiche blanche. Mais là, ça vous le gardez comme un petit rappel, parce que parfois, on va écrire quelque chose, on dit « Oh, je m'engage à faire ça », puis mardi, vous dites « Oh, bigre, ah, j'ai oublié, ah. » Donc, si vous mettez ça dans votre Bible ou quelque chose que vous allez voir tous les jours, c'est un petit rappel pour vous, pour votre engagement à prier comme Daniel. Et nous avons encore à cœur tous les derniers sabbats du mois, comme aujourd'hui, et les premiers sabbats du mois, d'être présents pour vous. Et aujourd'hui, nous serons tous et toutes présentes. Donc, il y a Karine, il y a aussi Mélanie, donc bien sûr Victor Hugo, Sharon et moi-même. Pour les personnes qui aimeraient louer, remercier Dieu encore avec nous, ou bien apporter un sujet d'intercession qu'on peut porter ensemble dans la prière. Donc, il y en aura deux vers les fenêtres et deux devant. Et vous pouvez rejoindre une personne de votre choix pour prier, intercéder, louer Dieu et le remercier pour peut-être ce qu'il a fait pour vous cette semaine ou aussi ce que vous aimeriez apporter et pour la chose pour laquelle vous aimeriez un peu de soutien, un partenaire de prière. Voilà, alors une toute belle matinée et que Dieu prépare nos cœurs.
145, au verset 9 et 10. Il est dit : Le Seigneur est bon pour tous. Son amour s'étend à tous ceux qu'il a créés. Que tous ceux-là te louent, Seigneur. Que tes fidèles t'expriment leur gratitude. Tout cela, c'est donc vous, moi. Donc je vous invite à vous lever et à dire avec moi les deux premiers versets de ce psaume, qu'on puisse les prononcer tous ensemble en signe de gratitude envers notre Dieu. Mon Dieu, toi le roi, je veux dire ta grandeur, t'exprimer ma reconnaissance éternelle. Je veux le faire tous les jours. Et sans fin. Remercier l'Éternel. Et dans le chant qu'on va chanter maintenant, il y a une longue introduction. Alors je vous invite à tous, dans votre cœur, remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour vous pour cette semaine, pour ce qu'il fait dans votre vie chaque jour. Juste lui dire merci. Vous avez tout le temps de le faire. Mmh.
invoquer mon nom, je serai là. À vous agenouiller pour la prière. Notre Dieu, notre Père, merci. Merci pour la vie. Merci pour la présence de l'Esprit dans nos cœurs. Merci pour les anges qui sont dans cette église maintenant, puisque chacun d'entre nous a un ange gardien. Ensemble, avec nous, cela fait beaucoup d'adorateurs en ce lieu, ce matin. Merci pour Jésus, cadeau du ciel. Comme nous venons de le chanter, nous voulons nous humilier devant toi et te demander pardon. Pardon pour notre indifférence, notre manque d'amour et de compassion face à ceux qui souffrent. Pardon pour notre manque de confiance en toi, notre manque d'intercession. Pardon pour notre peur d'aimer et d'intervenir pour plus de justice dans ce monde. Et nous te demandons, pour nous, mais aussi pour les jeunes qui sont en train d'avoir le culte à Lola avec Inès, réveille en nos cœurs le souffle de ta vie. Réveille nos désirs d'aller sur tes chemins. Éveille en notre esprit le goût de ta parole. Réveille en nos cœurs le souci du frère et de la sœur en humanité. Nous te prions, Seigneur, donne courage et consolation à ceux qui sont persécutés, aux malades, aux déprimés. Oui, Seigneur, nous te prions pour chaque être humain sur cette terre,
tranquille qu'elle puisse recevoir une révélation de qui est Jésus et du grand sacrifice que Jésus a fait. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Je vous propose de prolonger ce temps de prière en vous levant et en chantant tous ensemble la prière que Jésus nous a apprise, le Notre Père. Que l'Esprit de vérité vienne sur nous maintenant pour que nous puissions te ressembler et savoir prier.
Marie était en petite fille. Elle habitait avec sa famille dans une maison juste à la fin du village. C'est une famille chrétienne. Donc, ils avaient une habitude. Tous les soirs, avant d'aller dormir, ou le papa, ou la maman, ou même le toit, ils se réunissaient et ils choisissaient un verset de la Bible pour l'apprendre deux fois par cœur et aussi pour pouvoir comprendre qu'est-ce que la Bible il le disait. Donc, ce soir, pour pas changer à l'habitude, Marie a pris sa douche, brossé ses dents, mis son pyjama, il a couru dans sa chambre. Et quand elle était là, « Maman, je suis prête !»« Oups, non, je ne suis pas prête, il faut que je cherche ma Bible. » Elle va, elle cherche sa Bible, et quand elle était juste en train de se mettre au lit, avec sa Bible dans ses mains, sa maman rentre. « Alors Marie, tu es prête ?»« Oui. » »« D'accord. Est-ce que tu veux, s'il te plaît, chercher un verset ?»« D'accord. Alors, quel verset, maman ?»« Alors, on va chercher Matthieu. Tu te rappelles où est le livre de Matthieu ?»« Oui, c'est le premier livre du Nouveau Testament. »« Oui, tu te rappelles très bien. » Donc, elle cherche Matthieu. Matthieu 5, verset 8. Est-ce que tu arrives à le lire? Alors, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Marie réfléchit un tout petit peu. Maman, qu'est-ce que ça veut dire avoir le cœur pur? Je ne comprends pas bien. Est-ce que tu peux m'expliquer? Sa maman réfléchit un tout petit peu. Elle prend une feuille. Elle fait un dessin. Elle fait un cœur. Tu vois cette cœur? Oui, elle est toute blanche. Elle est toute propre. Oui, elle est jolie. Alors, quand on ment, qu'est-ce qui arrive? Regarde. Est-ce qu'il reste blanc? Non, il y a une tache. D'accord. Quand tes copains, ils t'ont prêté une crayon, et tu l'aimes tellement qu'à la place de le rendre, tu le gardes pour toi. C'est un peu volé, ça, n'est-ce pas? Oui. Ben, qu'est-ce qui arrive? Il y a une autre tâche. Quand on se fâche, tu te fâches avec tes copains à l'école parce que tu étais dans la ligne, qu'il y a quelqu'un qui vient et il te prend ta place. Tu les tires d'un côté parce que non, c'était ma place. Et tu te mets en colère. C'est notre tâche. Est-ce qu'il est pur? Est-ce qu'il est blanc? Non, maman, il n'est plus blanc. D'accord. Alors, nous, on a quelque chose qui est merveilleux. Tu sais qu'est-ce qui arrive? On a Jésus. Quand on est tout seul, on ne peut pas garder le cœur tout blanc. Parce que, ben, même si on fait notre meilleur effort, des fois, on n'arrive pas. Alors, regarde qu'est-ce qui arrive. On a notre cœur, mais quand on prie, quand on lui demande à Jésus de venir et être avec nous, de ne pas nous laisser toutes seules, de venir nous protéger, de venir nous aider à, quand on est tenté de faire une bêtise, de nous aider à ne pas le faire, regarde qu'est-ce qui arrive. C'est comme plastique. «
Il nous entoure. Donc tu n'es plus seul. Et quand on veut faire une bêtise et que ça arrive, regarde qu'est-ce qui arrive. Il y a une tâche. Mais c'est qui la porte? C'est toi ou c'est la feuille? C'est le plastique? C'est le plastique. C'est la même chose pour nous. Quand nous, on fait des fautes, quand on n'arrive pas tout, c'est Jésus qui le porte pour nous. Il nous protège. Il garde notre cœur tout blanc. Même si, de temps en temps, je me fâche, de temps en temps, je ne fais pas les choses qu'il faut. Il y a toujours des choses. Mais si on demande à Jésus de venir nous protéger, si on demande à Jésus de toujours être avec nous, c'est lui qui va le porter. Et nous, regarde qu'est-ce qui se passe. Notre corps reste toujours, toujours pur. Maman, tu sais quoi? Regarde. Le verset, il disait, laisse-moi le lire, il disait, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Tu sais quoi? Je suis contente. Je suis très contente parce que tu sais, ce matin, je n'étais pas très gentille. Donc, maman, est-ce qu'on peut parler avec Jésus? Parce que je voudrais quand même le demander qu'il puisse garder mon corps pur, qu'il puisse me pardonner. Parfait, on va prier. Notre Père, merci parce que tu as mis la joie dans mon cœur, parce que tu m'as promis que tu peux garder mon corps pur. Merci Seigneur parce que tu me protèges, parce que tu portes mes péchés. Mais merci Seigneur parce que tu es toujours, toujours autour de moi. Amen. Et puis parfois, on ne sait pas trop comment faire pour prier. Eh bien, il y a une petite fille qui m'a appris une chanson pour prier, pour se rappeler comment faire pour prier. Et c'est la chanson qu'on va te chanter maintenant. Quelle jolie chanson. Il faut faire un petit voyage. On va faire un voyage à
travers la Bible, dans lesquels je veux partager trois versets, dans lesquels il nous parle comment faire cet grand voyage, dans lesquels, peut-être quand je me suis converti il y a longtemps, je n'avais pas compris des choses. Et en Jacques, chapitre 4, verset 3, dit « Si vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de pouvoir dépenser pour vous plaisir. » Et l'autre verset dans lequel je vous ai à partager, c'est Jean 15, verset 7, dans lequel donne la réponse pour faire ce grand voyage. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Et c'est là que vous arriverez comme un enfant. Et l'autre dans lequel il nous invite à tous participer en tant qu'Église, c'est trouve en 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, soumis, priez et me cherchez, et s'il revient de ces bois mauvaises, moi, je l'entendrai depuis le ciel, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Dans toutes les civilisations, dans tous les âges et dans toutes les époques, les femmes, les hommes, les adolescents, les enfants, les vieux, les vieillards prient. La prière est un acte naturel chez l'être humain. Mais le péché et aussi notre civilisation humaniste et parfois notre Église aussi, en favorisant la raison, l'intelligence, nous a éloignés de la prière, qui est, comme dirait Ellen White, une revivaliste du 19e siècle, la respiration toute naturelle de l'âme. C'est surprenant, vous savez, que quelle que soit la nature de nos prières, apparemment, les recherches scientifiques de ces dernières années ont montré qu'il y a des bénéfices à prier. Alors, vous avez plus de créativité si vous priez, plus de lâcher prise, plus de cohérence cardiaque et moins de stress. La prière est belle, la prière est merveilleuse, mais la prière est mystérieuse. Ce matin, j'aimerais effleurer un peu ce thème de la prière. Comment prier en temps de crise? Parce qu'on est toujours quand même dans une crise économique, sociale, écologique. Peut-être vous avez vos propres crises familiales, relationnelles, dans vos études. Comment prier pour que nos prières soient exaucées? Ça, c'est des questions qui me bousculent depuis que je suis toute petite. Et je dois dire que j'ai eu beaucoup de réponses à beaucoup de prières, mais j'ai eu aussi beaucoup de silence à beaucoup de prières. Donc, je me suis fait cette étude aussi pour moi ce matin, et je vous la partage. Et je vous invite à ouvrir, pour ceux qui ont la Bible, le chapitre 9 du livre de Daniel. Apparemment, c'est une prière type qui a été exaucée par Dieu. Donc, je trouve que ça vaut la peine de l'étudier, de regarder ce qu'elle a à nous dire. Donc, moi, j'y ai discerné comme cette étape ou cette clé. C'est pas les seules, hein, mais pour le chapitre 9, c'est celle que j'ai découverte pour comprendre ce qui nous est demandé pour que notre prière soit exaucée. Alors la toute première chose, c'est d'écouter, l'écoute.
laissons Dieu nous parler avant même de lui parler. Ça, c'est un principe biblique. Dieu fait toujours le premier pas. C'est lui qui nous a aimés le premier. C'est lui qui nous a cherchés. Vous vous rappelez, Adam, il a péché, Ève, ils ont péché. Dieu cherche, il vient dans le jardin. C'est lui qui nous cherche. C'est lui qui nous sert avant que nous le cherchions et le servions. Il ne demande jamais quelque chose, Dieu, qu'il n'a pas fait déjà lui-même pour nous. Alors, dans la prière, on se connecte à Dieu, on lui parle, mais Dieu nous a parlé bien avant. Il faut en prendre conscience. Et comment il nous a parlé ? Eh bien, dans la Bible, quand nous lisons ou écoutons, pour ceux qui aiment l'écouter sur MP3 ou YouTube, nous écoutons Dieu. Alors, on est avec Daniel, il a 85 ans, il a survécu la déportation vers l'âge de 15 ans certainement. Il a gravi les échelons de différents gouvernements, les Babyloniens, les Mèdes et les Perses. Il a servi avec succès dans plusieurs administrations. Et Daniel 9, au verset 2, nous dit « Moi, Daniel, je consultais les livres, j'étudiais afin de comprendre la signification de ce que le Seigneur avait communiqué au prophète Jérémie. » Nous sommes donc tous et toutes invités dans cette première étape à étudier ce livre tous les jours. Il contient plus de 1000 promesses pour chacun d'entre nous. 1000 promesses. Donc, écoutez Dieu et il a déjà parlé. Vous n'avez pas besoin de vous triturer la tête, de dire « j'entends rien », j'entends souvent des gens qui me disent « mais moi, j'entends pas Dieu me parler ». Eh bien, déjà, écoutons-le dans la Bible. Jean, chapitre 15, que Victor Hugo nous a lu, nous dit « Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera fait. » Apparemment, dans cette étape de l'écoute, si je comprends bien ce texte, il y a comme deux conditions pour être exaucé. La première, c'est d'être connecté à Dieu, sans coupure, sans désunion. Et s'il y a désunion, coupure, il y a peut-être péché. Et la deuxième condition, c'est que la parole de Dieu demeure en moi, qu'elle demeure dans mon cœur, dans mon intelligence, dans ma vie. Donc, selon Jean 15, si je comprends bien, quand la Bible est dans mon cœur, mon esprit, je peux demander et je peux avoir l'assurance d'être exaucé. Alors, étudions dans la Bible comment Daniel l'a fait. Alors, si on vient au chapitre 6 de Daniel, on sait qu'il le faisait 3 fois par jour. Donc, pas étonnant, 3 fois par jour, il écoutait Dieu, qu'il a eu tant de sagesse, qu'il a gravi tous ces échelons gouvernementaux, qu'il a eu des stratégies incroyables pour tous ces gouvernements et qu'il a été premier ministre très souvent. Alors aujourd'hui, avec le ministère de la prière, nous vous proposons 22 jours de prière 3 fois par jour. Ça, c'est votre petite carte que vous pouvez garder dans la Bible et choisir vos horaires, comme vous le voulez, et le signer, ça vous le gardez entre vous et vous. Et puis, la deuxième carte, comme vous l'a expliqué Sharon, c'est pour qu'on puisse c'est surtout vos coordonnées que l'on désire, pour vous envoyer des encouragements, des études et du soutien pendant ces 22 jours de prière. Et nous vous le proposons jusqu'au 16 mai. Parce qu'on souhaite que cette année, malgré la pandémie, malgré les difficultés que vous vivez, soit une des meilleures années que nous n'ayons jamais vécues. Nous allons faire ça ensemble, nous allons demeurer ensemble dans la parole et nous vous proposons donc de signer cette carte et de nous remettre celle-là à la fin du culte. Vous savez, mesdames, j'ai vécu beaucoup d'handicaps, beaucoup de défis, la dépression, le rejet,
les canomnies. Mais le plus grand défi de ma vie, c'est de prier régulièrement. Prier 3 fois par jour, c'est un test de caractère. Satan sait que si nous perdons cette bataille, il gagne toutes les autres. Mais si nous parlons à Dieu et l'écoutons, nous gagnons nos batailles. La régularité, l'habitude a un effet domino et vous allez le voir, tout va aller mieux. Je suis reconnaissante à Peter Cisniar, qui est de notre communauté, qui m'a fait connaître ce livre de James Clear, « Le pouvoir des habitudes », dont le titre est « Un rien peut tout changer ». L'habitude de prier 3 fois par jour, au moins 5 minutes si vous ne pouvez pas plus. En demeurant dans la parole, en écoutant, nous reprenons notre boussole et notre cap. Alors Jérémie 29, 10 à 12 nous dit, donc Daniel est en crise, il lit la Bible, il se demande « mais quand est-ce que je vais retourner ?» À Jérusalem, Jérémie il avait prédit qu'on serait 70 ans en exil. Je pense que le temps est fini. Alors voilà ce que dit Jérémie 29, 10 à 12. Vous connaissez très bien ce texte, souvent pas le début ni la fin. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et ça, on oublie souvent dans le texte qu'on cite souvent. Vous m'invoquerez, vous prierez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Apparemment, il y a 2 facteurs pour que Dieu réponde là aussi. C'est le temps du calendrier de Dieu, ses horaires, et l'action de mes prières. Les 2 ont un rôle charnière. Dieu nous dit, mes plans, c'est 70 ans que le peuple va rester en exil. Si je prie à l'année 50, ça va changer à rien du tout. Et quand les temps sont accomplis, c'est alors que nous jouons un rôle. Si vous faites la démarche de m'appeler, de prier, eh bien je réalise mes plans, mes horaires. Vous m'invoquerez et je vous ferai revenir en ce lieu d'où je vous ai emmené en exil. Verset 14. Dieu est souverain. Il détermine les temps, les saisons et les plans possibles pour nos vies. Dieu ne force pas ses plans sur nous. Apparemment, dans ce texte, je comprends que nous devons le lui demander. Vous comprenez, Dieu a un calendrier et nous, nous prions. Mais alors, vous allez me dire, mais quand est-ce que je sais si c'est Dieu qui m'attend ou si c'est moi qui dois prier? Si je suis dans les horaires de Dieu ou pas? Alors moi, j'ai résolu assez simplement, je ne suis pas sûre que j'ai la bonne réponse, mais si je prie et que je n'ai pas de réponse et qu'il n'y a rien entre moi et Dieu, que je suis connectée, que je demeure dans sa parole, que je chéris sa parole dans mon cœur, alors, s'il n'y a pas de réponse, c'est que je ne suis pas dans le bon calendrier de Dieu. Et je reste confiante. Si je comprends le calendrier de Dieu, sa volonté, alors Dieu, je sais qu'il attend que je prie et que je me mette à genoux pour lui demander. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie selon la volonté de Dieu? Et quelle est la chose pour laquelle tu n'as pas encore prié? Ellen White, toujours, cette revivaliste du 19e siècle qui nous est très chère dans notre Église, nous dit, dans la tragédie des siècles, écoutez bien, il entre dans les plans de Dieu de nous accorder en retour de la prière de la foi ce que nous n'obtiendrions pas si nous ne le demandions pas. 2e clé, chercher Dieu. Il est dit, au verset 3, je tournais ma face vers le Seigneur. Tournons notre face. Et le mot est un pluriel. Toutes nos facettes, toutes les facettes de notre personne, toute notre attention sur Dieu. Vous savez, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai vu beaucoup de neveux et nièces qui jouaient avec mon père. Et mon père, je ne sais pas s'il avait un instinct de comprendre ce jeu avec les enfants,
Mais il les asseyait sur ses genoux et puis il détournait la tête. Et dès qu'il détournait la tête, moi je vois encore chacun de mes neveux et nièces qui prenait son visage, qui faisait comme ça, mais regarde-moi grand-papa. Vous savez, accorder l'attention, son visage à quelqu'un, c'est le plus beau cadeau qu'on peut lui donner. Alors, je tournais ma face vers le Seigneur. Dans la Bible, il y a deux grandes attitudes de prière. On ne va pas se chipoter là-dessus, mais soit on est debout puis on le regarde, parce qu'on tourne notre face vers lui, « Allez, je pointe, je suis là, je suis au rendez-vous, qu'est-ce qu'on a à se dire ?» Ou alors soit je me mets à genoux, j'entre en intériorité, parce que le Seigneur est aussi dans notre temple, le Saint-Esprit est dans notre temple, et nous sommes plus en connexion à genoux avec cette intériorité, là où on peut l'écouter aussi. Et Daniel, au chapitre 6 et au verset 11, se mettait à genoux 3 fois par jour devant sa fenêtre. Jérémie, chapitre 29, verset 13. « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Vous savez, on trouve Dieu, mais pas au niveau superficiel, pas juste entre la douche et le petit déjeuner, ou juste avant le repas, ou encore avant le boulot et le foot. Hébreux 11, verset 16 nous dit « Dieu récompense ceux qu'il cherche. » Veux-tu que Dieu te récompense dans ton travail, dans tes relations, avec ton chéri, dans tes études? Eh bien, cherche-le. Tourne ta face vers lui. Toutes tes facettes, pas seulement celles que tu présentes à l'église, mais aussi celle qui est timide au boulot, celle qui s'énerve avec ses enfants, celle qui reste muette devant les injustices, ou celle qui se cache et se cloisonne dans son appartement parce que tu as peur. Luc 11, verset 31 nous dit « Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données en plus. » Ne cherche pas la gloire, l'avancement d'une carrière, l'influence dans l'église, un mari, un boulot, mais cherchons Dieu pendant 22 jours. 22 jours d'attention sur Dieu, en prière, la face tournée vers le Seigneur. Vous savez, je crains que beaucoup de nos souffrances, de nos malheurs, de notre stress, sont le résultat de nos propres décisions. Alors, Dieu n'a pas d'autre choix que de se retirer. Et nous récoltons les conséquences de nos décisions, parfois si stupides. J'aime beaucoup ce texte d'Osée, chapitre 5, verset 15, jusqu'à 6:1, qui dit « Dieu se retire ». Il dit « Je m'en vais donc, je rentre chez moi, annonce le Seigneur, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leur faute et qu'ils se détournent vers moi et qu'ils cherchent ma face. Et quand ils seront dans la détresse, ils me chercheront vraiment. Alors vous dites « Allons, retournons au Seigneur. C'est lui qui a fait la blessure, c'est lui qui nous guérira. » Moi, je peux vous dire, même si je ne vous connais pas, quand est-ce que vous avez vraiment cherché Dieu de tout votre cœur? On cherche Dieu quand on est en crise, quand on est malade, quand on est devant le cancer, quand on est sur le point de divorcer, quand on est perplexe, titillé, échauffé par les circonstances, n'est-ce pas? De quoi avons-nous besoin d'être guéris? Moi, j'ai besoin que tu guérisses mon ministère, ma carrière, ma famille, ma relation avec toi aussi. Que veux-tu pour ta vie jusqu'à la Pentecôte? C'est notre défi de prier jusqu'à la Pentecôte. Serait-ce trop de demander de prier 3 fois par jour pour que Dieu nous inspire, nous guide, nous conseille, nous transforme et nous propulse à des nouveaux niveaux de relations avec lui, de relations entre nous et d'action dans le monde? Daniel 9, verset 3. Daniel écoute, Daniel cherche, tourne sa face vers Dieu pour, nous dit le verset 3b, l'implorer par des prières et des supplications. Implorer. Exprimons nos désirs et nos demandes avec émotion. Vous savez, beaucoup trop de nos prières sont sèches. On rabâche, on fait vite la prière. Le Notre Père, on le court à toute vitesse.
Vous savez, Dieu ne se préoccupe pas tellement de nos mots, il connaît tous nos mots, que de nos émotions, de notre sincérité, notre congruence dans notre parole entre ce si beau chant, entre notre tête et notre cœur. Vous savez, nous avons une panoplie d'émotions, bien plus que les animaux, et Dieu s'est révélé dans la Bible aussi comme un Dieu émotionnel. Il est joyeux quand on revient à lui, il est triste quand nous sommes malades, quand il y a des gens qui meurent. Il est en colère devant les injustices. Il est jaloux si nous donnons notre amour en premier à quelqu'un d'autre. Jésus en croix, c'est une scène émotionnelle, n'est-ce pas? La croix nous déclare, comme l'a si bien proposé l'histoire d'Yvonne, « Je t'aime ». Dieu est rempli de passion pour toi. Et si tu ne le comprends pas, regarde à la croix. Dieu veut une connexion personnelle, une connexion d'amour avec toutes tes émotions, toute ton intelligence et toute ta volonté et tout ton esprit. Vous savez, mesdames, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais si un homme nous demande en mariage, qu'il a préparé un beau repas puis qu'il est comme ça, « Oh, chérie, est-ce que tu veux m'épouser ?» On ne va pas le prendre au sérieux. Moi, j'étais petite, j'étais très chatouilleuse. Vous savez, quand je ne voulais plus qu'on me chatouille, j'implorais pas « Arrêtez de me chatouiller !»« Stop ! Fini le chatouille !» Et puis les matchs de foot, c'est comment ? Toujours avec des cris, des tapants de mains, des bras qui se lèvent, des hurrahs. « Allez, vas-y !» Quand est-ce que vous avez prié comme ça pour la dernière fois ? Daniel plaide, implore, et les mots qui sont employés implique des émotions. Quand avez-vous plaidé et prié pour la dernière fois? Épanchez votre cœur devant Dieu. Quand avez-vous prié avec émotion? Ben, je peux vous le dire, pour moi, c'était quand j'étais dans une souffrance profonde, impuissante, face à la calomnie, au creux de la tristesse, pendant 3 ans et demi de dépression. On implore rarement, vous savez, quand tout va bien, qu'on ramasse des petites fleurs le long du chemin et qu'on s'y flotte. Daniel implore, répand son âme. Seigneur, je veux rentrer à la maison. Je ne veux pas mourir ici en exil. Je veux rentrer à la maison dans mon pays. Jérémie l'a promis. Qu'est-ce que tu as à nous dire? S'il te plaît, montre-nous. Et il étudie et il retrouve Jérémie, chapitre 50, versets 4 et 5. « En ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, les enfants d'Israël et les enfants de Juda me chercheront, comment ? Comme ça, en sifflant ? Non, en pleurant, ils chercheront l'Éternel, leur Dieu. Ils s'informeront du chemin à Sion et ils tourneront ses regards vers elle. » Peut-être que nous devons nous aussi implorer comme David, Daniel et faire retour à Sion, sortir de Babylone, de l'exil, pas littéralement, mais faire notre alias spirituel vers notre racine qu'est Israël, un retour vers les délices du sabbat, le vrai repos, la vraie confiance en Jésus, un retour vers les temps et les fêtes de l'Éternel, son grand calendrier, ses horaires. Daniel 9, verset 4 nous dit, Daniel écoute, il cherche, il tourne sa face, il implore en jeûnant. Donc jeûner, c'est signifier notre engagement avec notre corps et nos appétits. Daniel démontre le sérieux de son engagement dans la prière avec le jeûne. Il implique son corps. Et il implique aussi une habitude qu'on n'a plus, c'est de mettre un vieil habit et de se mettre de la cendre dessus. Ça, c'était le signe absolu du retour vers Dieu, de la repentance et aussi du deuil. Donc, rempli d'émotions de nouveau. Alors, concrètement, nous vous proposons un jeûne le 16 mai pour conclure ces 22 jours qui sera la veille de la Pentecôte, selon le calendrier de Dieu.
Vous pourrez aussi bien sûr prolonger votre prière ou votre jeûne jusqu'au 22 mai, qui est la Pentecôte célébrée dans le calendrier de l'Église chrétienne traditionnelle. Et on peut s'associer aux chrétiens pour prier et intercéder jusqu'à cette Pentecôte du 22 mai, qui signifie aussi l'effusion de l'Esprit sur l'Église. Alors un petit rappel, la Pentecôte c'est toujours 50 jours après Pâques, ou 40 jours après l'ascension de Jésus, qui avait demandé quoi aux disciples ? D'aller dans la chambre haute, de prier, de communier ensemble, de jeûner et d'attendre la venue du Saint-Esprit. Alors nous aussi, nous allons attendre jusqu'à la Pentecôte, communier ensemble, être une église de la chambre haute. Je vous propose d'être une église de la chambre haute jusqu'au 16 mai. Si vous nous rejoignez et que vous nous laissez vos coordonnées, on vous enverra un petit... une petite information sur le jeûne que je ne peux pas développer ici. Mais je veux juste dire deux, trois choses sur le jeûne. Le jeûne, c'est qu'on signifie qu'on est vraiment au sérieux. Je suis sérieuse à propos de ce que je vais demander, implorer. Je suis aussi avec plus de temps si je jeûne pour prier. Et troisièmement, ça c'est le mystère de la prière, nous libérons une puissance surnaturelle. Jésus a bien dit dans Matthieu, chapitre 17, verset 21, il y a certains miracles, certaines prières qui ne sont exaucées qu'avec le jeûne. Oui, Élie a jeûné avant d'oindre Élisée, la nouvelle génération. Et c'est ce que je sens en ce moment. Il faut jeûner pour qu'une nouvelle génération se lève dans notre Église. Esther a jeûné avant sa demande impossible face à Assuérus. Némi, il a jeûné avant son grand projet de construction. Et puis Jésus a jeûné pour affronter la tentation, mais aussi pour préparer le démarrage de son ministère et pouvoir proclamer dans Luc chapitre 4, « L'Esprit du Seigneur est sur moi » pour annoncer, vous connaissez bien le texte. Et tous les premiers chrétiens ont jeûné à des moments stratégiques, et particulièrement lorsqu'il fallait appeler des gens loin du Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle et servir l'Église. Cinquième étape. En fait, on entre dans la prière, là, au verset 4. Et c'est très intéressant. En fait, c'est une description avant. Mais là, il commence à prier. Et il commence, « Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, qui fais miséricorde. » Voyez-vous, Daniel commence par remercier, dire merci, dire Dieu ce qu'il a fait, qui il est pour lui et son peuple. Oui, c'est la louange et l'action de grâce qui ouvre les portes du sanctuaire. Psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Comme je vous ai dit, nous sommes le temple de l'Esprit. Donc pour entrer dans notre vie, il faut passer par la louange, par les remerciements. Philippiens 4, versets 4 à 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications, des implorations, avec des actions de grâce. » Ça, c'est le mot Louis II pour dire « avec de la gratitude, avec de la louange ». Vous savez, David Lefrançois, peut-être certains le connaissent, qui est un expert en neurosciences, parle merveilleusement des bienfaits de la gratitude. Apparemment, les chercheurs en physique quantique ont montré que lorsqu'on loue, qu'on remercie, eh bien, on ouvre des vibrations positives qui ont des effets super bénéfiques pour la santé. Et aussi, qui vont ouvrir des synchronicités et des expériences inattendues pour la personne qui se met à louer et à remercier. Donc imaginez si on loue le Dieu de l'univers qui m'a créé, tout ce qu'il peut ouvrir. Mais attention, la gratitude, ce n'est pas un truc que l'on fait. En fait, c'est une attitude de vie qui découle de la confiance absolue que j'ai en un Dieu qui peut agir, qui va agir selon le meilleur de son calendrier et de ses plans, pour moi, pour nous.
J'ai appris la gratitude de mon grand-père Tissot, Pierre Tissot, qui était d'ailleurs administrateur ici, et qui a pleuré, mais il m'a raconté combien il a pleuré en quittant Collonges. Et finalement, avec le recul dans sa vie, il était rempli de gratitude que Dieu l'avait retiré de Collonges. Parce qu'il m'a dit, tu sais Viviane, j'ai réalisé, la guerre est venue, et j'ai réalisé que jamais j'aurais pu être l'administrateur de la guerre. J'étais pas l'homme avec les épaules assez larges pour chercher de la nourriture pour les étudiants, faire passer des juifs, faire bonne figure aux Allemands et en même temps faire des petits trucs par derrière. J'aurais pas pu. Et alors qu'il était gravataire, sur le point de mourir, comme Daniel, 85 ans, il était en train de lire un journal. Je m'approche de lui et il me dit « Mais regarde, Viviane, mais cette publicité, mais c'est extraordinaire. Tu vois la sagesse qu'a eu cette personne, ses couleurs, combien c'est bien disposé. Même quand il n'avait presque plus pour remercier, il pouvait encore trouver dans un journal, avec une publicité, avoir de la gratitude. » Donc développons ce regard de gratitude. Premièrement sur notre vie. Je me suis fixée une fois, lorsque j'étais à Andrews, d'écrire tous les soirs un sujet de gratitude. Et je me suis dit, ah, ça va être impossible. Je vivais une période difficile. J'avais perdu mon chéri, tout n'allait pas bien dans les études, je ne comprenais pas bien l'anglais, etc. Et je me suis dit, non, je ne peux pas remercier tous les soirs, c'est impossible. Et dès que je me suis mise à écrire, eh bien, Dieu, tous les jours, me montrait pourquoi je pouvais avoir de la gratitude. Donc, l'étape qui suit la gratitude, comme on l'a vécu ce matin, c'est toujours, toujours la confession. Sixième étape, confesser. Nous évaluons nos vies, nos actes, et nous sommes précis et nous prenons la responsabilité de ce qui ne va pas en nous. Pas ce qui ne va pas chez les autres, mais en nous, nous prenons la responsabilité. Je confesse. Je me mets d'accord avec Dieu sur ce qu'il me montre, ce que j'écoute. J'aligne ma vie, j'en prends la responsabilité. Ouais, Dieu, je me suis fourvoyée. J'ai vraiment échoué là. Ce que Yvonne a si bien décrit. On peut le faire parce que c'est lui qui prend sur lui. Mais nous, on s'aligne sur ce qu'il prend sur lui. Alors Daniel, chapitre 9, versets 5 à 14, c'est très intéressant, il va être très précis sur au moins 7 choses qui ne vont pas, en lui comme dans son peuple surtout, aussi je veux dire. C'est les péchés, commettre l'iniquité, avoir été méchant, rebelle, ignorer, rejeter les lois, donc ça veut dire élaborer notre propre moralité, où on est très très bon, en tout cas dans ce 21e siècle, refuser d'écouter Dieu, mais aussi, il dit, nos leaders, nos rois, nos prophètes, et puis d'être infidèle, adultère spirituellement. Alors, verset 16, il dit, « Nous avons continué de pécher et de ne pas faire attention à tes avertissements. » Et la conséquence, c'est quoi ? C'est que toutes les nations alentour se moquent de nous. Moi, je trouve qu'on se moque trop du christianisme dans notre civilisation. Il est temps que nous nous confessions pour que Dieu nous relève et nous redonne cette puissance de la pluie de l'arrière-saison, de la Pentecôte qui a bouleversé le monde au premier siècle. Daniel 9, verset 17, il implore « Ô Dieu, écoute-moi, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Nous sommes le sanctuaire de Dieu. Fais briller ta face sur ma vie, sur nous en tant que peuple de Dieu, sur l'Église comme sur Israël. Fais briller ta face sur nous. Fais briller ta face sur le monde. » Nous nous confessons non pas pour le truc de nouveau, pour être sûr d'être exaucé, mais on se met d'accord avec Dieu, on prend ses responsabilités,
parce qu'on sait qu'il est un Dieu bon, un Dieu qui nous aime, un Dieu fidèle, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, prêt à pardonner. Et nous arrivons à la septième étape. Si on lit à partir du verset 20, « Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché, le péché de mon peuple. » Verset 21, « Je parlais encore dans ma prière. » Donc apparemment, ces étapes, il les a faites et refaites, comme nous vous proposons de les faire pendant ces 22 jours. Il répète, il persévère, non pas parce que Dieu est sourd, mais parce que nous avons besoin de cela pour muscler notre volonté. On écoute Dieu, on lit la Bible, on donne notre entière attention à Dieu, on cherche, on tourne ses regards, toutes ses facettes vers lui, on prie, on implore avec émotion, on dit merci, on développe la gratitude comme attitude de vie, on essaye de voir comment Dieu me voit, on en prend la responsabilité et on jeûne, comme on vous le propose le 16 mai. Et alors la réponse, elle est assurée. C'est ce qui suit. Et Gabriel, que j'avais vu précédemment dans la vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Gabriel est envoyé pour faire connaître les plans de Dieu à Daniel. Dès que tu as commencé à prier, je me suis mise en route. D'ailleurs, sa réponse, on ne va pas l'étudier en détail, mais elle est un peu déroutante, parce que si vous relirez ça, je vous invite cet après-midi à le faire. En fait, il ne répond pas tout à fait à sa préoccupation sur les 70 ans d'exil. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce qu'on rentre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Etc. Non. Mais Dieu répond à Daniel bien au-delà de ses préoccupations présentes, comme il risque de nous répondre, mais en lien avec ses attentes existentielles et expérientielles et éternelles surtout. Gabriel ne va pas lui parler de ses 70 ans d'exil, mais de 70 semaines, et il va dévoiler une prophétie que nous pouvons aussi comprendre et étudier, et il reçoit bien au-delà. Gabriel lui montre un immense calendrier de Dieu qui va aller jusqu'au retour possible, non pas des Juifs juste à Jérusalem, mais de toute l'humanité à la Jérusalem céleste, construite de la main de Dieu. Et il lui donne cette immense vision, parce que c'est un Dieu miséricordieux. Et il lui dit, au verset 23, « Tu es un bien-aimé, je t'aime beaucoup, beaucoup. » Comme il vous aime beaucoup, beaucoup. Dieu nous dit, j'ai des émotions pour toi, je t'ai vu dès ta naissance, je connais tous les temps difficiles que tu as traversés, mais j'ai des plans pour ta vie. J'ai aussi un calendrier, j'ai des horaires pour toi, pour mon peuple, pour mon église, et je vais t'aider à les comprendre. Il y a toute une conversation qui ne nous est pas donnée dans le texte, mais qui est comme le secret entre Daniel et son Dieu. Alors vous allez me dire, mais moi je ne suis pas Daniel, je ne suis pas un leader, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un ministre, donc cette prière, moi je ne peux pas la faire, je ne peux pas m'y donner, je ne peux pas m'engager. Vous êtes d'accord, hein? C'est un petit contre-argument qu'on peut vite dire comme ça si on veut se débarrasser de la prière. Eh bien, on l'a chantée, on l'a lue, il y a le texte de 2 Chroniques 7,14 qui souligne presque toutes les étapes du chapitre 9 de Daniel. « Si mon peuple... » Et il y a 5 conditions. Qui porte mon nom? Vous portez le nom de Dieu, n'est-ce pas? Vous êtes des chrétiens, des chrétiennes. S'humilie, confesse ses péchés, prie, implore avec émotion de tout son être, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors j'écouterai, je pardonnerai son péché et je guérirai le pays. Si mon peuple s'humilie, oui, nous avons fait des décisions stupides dans le présent comme dans le passé. Et il serait bon qu'on fasse le ménage, qu'on mette tout ça à plat. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, qui porte mon nom, s'humilie, implore et me cherche, je guérirai. N'avons-nous pas besoin de guérison en France?
N'avons-nous pas besoin de guérir notre esprit, nos émotions, nos peurs, nos finances très stressées par la pandémie, nos relations, notre mariage, notre business, notre famille, notre Église? Eh bien, pendant 22 jours, nous vous proposons aussi de prier cette prière de 2 Chroniques 7, 14. Vous savez, depuis le début de la pandémie, voilà 57 semaines que deux fois par jour, des millions de chrétiens ont prié cette prière avec foi. 2 Chroniques 7, 14. Et aujourd'hui, nous sommes le 27e jour entre la Pâque et la Pentecôte. Il nous reste 22 jours à prier avant la veille de la Pentecôte. Et j'aimerais vous inviter à prier et à intercéder pour que Dieu envoie beaucoup de nouveaux jeunes et jeunes ouvrières dans la moisson. Vous savez, beaucoup de fêtes de l'Éternel, certes, ont une base agricole, mais toutes sont des métaphores du plan du salut que nous sommes appelés à vivre spirituellement dans le calendrier de Dieu. 22 jours de prière pour que le Seigneur fasse pleuvoir et mûrir la moisson qui en Israël se fait toujours à partir de la Pentecôte, pour que cette pluie qui vient juste avant de l'arrière-saison tombe sur nous. Voulez-vous nous rejoindre pour ces 22 jours de prière et de jeûne le 16 mai pour participer à amorcer un virage qui est en train de se faire dans notre histoire? 22 jours, trois fois par jour, nous prions. Et si la Pentecôte cette année était pour une onction nouvelle qui tombe, peut-être pas tellement sur nous, mais sur Israël, pour qu'ils découvrent que Yeshua est leur Messie? Et si l'onction pour laquelle nous prions tombait d'abord sur Israël, pour que de Jérusalem, à nouveau, la grande Pentecôte, le souffle de l'Esprit, gagne le monde entier? Et si aujourd'hui nous étions invités à rejoindre ce grand mouvement de prière et de jeûne jusqu'à la Pentecôte, pour que tout Israël se tourne vers Yeshua et qu'avec eux, selon Romains 9 à 11, nous témoignons de l'amour de Dieu, de l'amour du Shabbat, de l'amour de ses calendriers et de ses fêtes. Savez-vous, dans l'Apocalypse, la dernière fête, la fête de l'agneau, des noces de l'agneau, c'est dans le cadre de la Nouvelle Jérusalem, pas de la Nouvelle Genève, pas de la Nouvelle Nice, ou du Nouveau Paris, ou du Nouveau Amsterdam. Sommes-nous prêts aujourd'hui à plier le genou devant ce grand Dieu, merveilleux, rempli d'amour, rempli de miséricorde, de pardon, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité? Sommes-nous prêts à fléchir le genou? Car un jour, tout genou fléchira devant le Seigneur. Amen.
Comme l'a dit Viviane, nous avons tous besoin de guérison, besoin de libération, besoin de chercher Dieu, de chercher sa face, de le prier et de louer son nom. Et par cette louange, nous sommes sûrs de le rencontrer et d'être en communion avec lui. Ce matin, je voudrais vous inviter à tout donner à notre merveilleux Sauveur, à ouvrir vos cœurs, à lui offrir vos corps, vos esprits. Je vais vous lire un verset qui se trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, le verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Rendons à Dieu ce qu'il nous a donné. » Je vous invite à prier. Ce matin, Seigneur, nous voulons te remettre nos vies tout entières, nos corps et nos pensées. Oui, prends tout, Seigneur. Nous nous présentons devant toi et nous voulons te remercier pour ton amour infini, pour ta grande douceur à notre égard et pour tous tes bienfaits de chaque jour, dans les petits détails comme dans les grandes choses. À travers nos dîmes et nos offrandes, c'est tout notre être que nous t'offrons et toute notre reconnaissance. Bénis-nous tous, Seigneur, sanctifie-nous, purifie-nous pour que nous puissions te ressembler chaque jour davantage. Oui, Seigneur, conduis tes enfants, et nous le sommes, sur le chemin de l'éternité. Bénis ces dîmes et ces offrandes qui seront déposées dans les corbeilles à la fin du culte ou versées par un tout autre moyen. Bénis-les, Seigneur, pour qu'elles servent ton œuvre et pour que toute ta création puisse te connaître et louer ton nom, aujourd'hui et pour l'éternité. C'est dans le merveilleux nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite à vous lever pour chanter ce chant avec nous.
Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa lumière sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et t'accorde la paix. Allons en paix et recevons encore la bénédiction des chanteurs. Et l'amour du Père.
Je vous rappelle qu'il y a les deux fiches à déposer dans une corbeille qui est juste au bout, juste à la sortie. Remplissez s'il vous plaît. S'il vous manque, il y a un diacre, François, qui est là avec des fiches. Vous pouvez toujours prendre là, remplir et laisser avec vos coordonnées. Et pour un petit rappel, vous gardez la dernière, la fiche bleue, pour glisser dans votre Bible en endroit où vous allez penser pour vous rappeler chaque jour les trois fois de prière de Daniel. Et enfin, nous avons notre équipe de prière à la fin du culte. Nous avons Mélanie, Victor Hugo, Karine, Viviane et moi-même. Nous serons là, près des fenêtres, des vitres, des grandes vitres. Venez prier avec nous pour remercier Dieu, pour demander quelque chose, pour prier pour quelqu'un, ou juste pour démarrer ces jours de prière ensemble dans un petit groupe. Bon sabbat.